Bonjour à tous et bienvenue sur le 59e épisode de Scotch et Domination Mondiale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gabriel et Mathieu de l'entreprise Propulso Géo, qui est une entreprise controversée. Aujourd'hui, on va parler de choses qu'on ne parle pas d'habitude. On n'est pas censé parler de ça. On n'est pas censé lever le voile sur les dessous du marketing et pas n'importe quelle sort de marketing. Du marketing, qui est un peu comme qu'on peut percevoir la magie noire. Quelque chose qu'on ne sait pas trop comment est-ce que ça fonctionne. On a entendu des rumeurs. On sait qu'il y a des gens qui s'inquiètent de ça. On sait que ça garde des gens réveillés la nuit. On ne sait pas pourquoi, comment est-ce qu'ils ont raison de rester réveillés. Mais on sait que ça existe. Et aujourd'hui, c'est de tout ça qu'on va parler. On va parler de l'achat de données en ligne. On va parler de qui fait ça. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Comment est-ce que ça fonctionne? Qui fait ça? C'est simple. Vous faites ça. Entre autres choses. <rire> <rire> Et avant de débuter de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important, comme tous les épisodes, de prendre un bon verre de scotch. Écoute, tous les épisodes, c'est relatif. Dernier, on a pris un whisky. L'autre d'avant, c'est mon mois sans alcool. J'ai pris de la Heineken Zero. Choix sur lequel je me suis fait fortement critiquer. Aujourd'hui, on, on reçoit. On on profite d'un Beaumont 18. On y inspire. Est-ce que vous êtes familier avec le scotch? Oui, euh, j'ai euh, moi oui. Euh, j'ai envoyé un article pour éducation personnelle à Mathieu hier. Et euh, il ne l'a pas consulté, alors j'ai bien hâte de voir ce euh, si qu'il va en penser. <laughs> je suis un novice ah. du scotch. Je fais ça un gars de bière d'habitude. OK. Ben écoute, euh, ça va être une très, très bonne expérience. À cause que le Beaumont du Suite, qui est une comment euh, m'a été offert, ben, ben, il oui, faut que je le mentionne par Philippe Paquet de Varenne de l'Entreprise Novataise. Alors, shout out à vous autres, les gars. Euh, C'est un excellent scotch qui c'est pas comme quand tu t'en vas tu sais mettons là tu prends du whisky là, ce que t'as probablement appris dans ta vie c'est du, euh, du Johnny euh, pas du Johnny Walker le, le, le pas bon le, le Jack Daniels le pire le pire alcool que tu peux prendre ouais, ou quand t'es un quand es un, euh, un étudiant Mais, le Jameson moi c'est quelque chose que je suis capable d'apprécier quand même oh, Donc, ouais, mettons je suis euh, je suis au bar tu sais j'ai le goût d'avoir quelque chose qui rentre je vais prendre un Jameson double comme ça j'ai pas besoin de tâter mon verre comme, comme un euh, Quelqu'un qui apprécie quelque chose qui n'est pas bon. Tu je veux dire, tu prends un Jameson, tu le prends à gorgée, tu ne le prends pas comme euh, Tu prendrais, mettons, un Beau-Marcins qu'on va prendre aujourd'hui, qui est beaucoup plus subtil, qui est beaucoup plus doux. Euh, il faut que tu fasses attention avec ça parce qu'il y en a un des deux qui doit conduire en repartant. Moi, alert, alert, What is going on? Ouais, ça a Securité. Genre... <laughs> What is going on? On parlait de données tantôt. Le a... gouvernement ne veut pas qu'on parle de données, il ne veut pas qu'on donne les secrets. On ça, va il... le faire pareil. On l'a fait oh, ouais. déclassifier hier. Vanessa nous a donné l'autorisation d'être là aujourd'hui. Déclassifié. Ouais, <laughs> oh my God. J'ai l'impression d'être sur un, un podcast de conspiration. J'aime ça. Oh, J'aimerais ça faire un, un épisode spécial podcast, juste des théories de complot. Ça serait tellement le fun. Ah. <laughs> ça serait, je pense que, ce serait ton fier acolyte euh, à tous les jours on parle de complots différents. Hein. Je de CG et je sais pas si on devrait aller là parce que c'est un puits sans fin, un rabbit hole. Mais le, le, présentement, là, ce, qui, ce, qui, ce que tout le monde parle, c'est le Great Reset. Est-ce que vous avez entendu parler du Great Reset? What's the Great Reset, Oliver? Est-ce que tu as entendu parler du Great Reset? J'ai entendu des brides, mais euh, je ne je, je suis pas euh, au courant de ce qu'il faut. Dans le fond, c'est le Forum mondial économique. Qui est euh, le groupe de Davos, qui est une espèce de secte de gens ultra riches là, qui se regroupent dans une montagne pour faire des rituels weird? Um, fait que le, 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 le forum mondial est tabarouette t'es tout, je t'ai rempli ton ventre. Ah, c'est correct, ça va être fumé dans ma bouche, <laughs> <chez> mon homme, <laughs> un petit beau mort là, ben plein, let's go! Euh, qui ont, euh, qui ont, ils ont en fait ils ont fait un. Ils veulent profiter de la crise économique euh, provoquée par le COVID comme une opportunité pour être capable de faire un reset du capitalisme. Donc, dépendamment de ce que tu trouves sur le spectre euh, politique, qu'est-ce que tu penses du capitalisme de façon générale, tu sais, ça, ça donne un, une attitude euh, plus ou moins favorable au Great Reset. Mais l'idée, c'est que d'ici 2030, les gens n'aient plus aucune possession. Ils vont louer tout et ils vont être heureux là-dedans. La vie as a service. Exact. Life as a service. Moi, je serais pas heureux là-dedans, là, personnellement. Mais Puis là, ça a commencé. Là. Justin Trudeau a brisé Twitter là, la semaine passée, justement, en disant que euh, le Canada était en train de se positionner pour être capable d'atteindre les objectifs euh, de, 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 de. Comment qu'il appelait ça? De faire un grand. un, un reset de l'économie pour atteindre les objectifs fixés par. Euh, le groupe je sais pas quoi là, il a comme fait un espèce de speech de même puis là, tout le monde a fait comme oh my god Trudeau et le Great Reset enfin il dévoile son, son jeu on savait que c'était un globaliste corrompu qui veut euh, enslave les Canadiens fait écoute moi je pense qu'il y aurait du bon stock à dire là-dessus euh, si ceux qui écoutent ça euh, et que si ça vous intéresse je vous, je vous recommande tout simplement de vous rendre dans les commentaires de nous dire oui on aimerait ça que tu parles de tes on, on pourrait tout se mettre un petit chapeau en aluminium puis, comme, parler pendant pendant trois heures là-dessus, avec un petit chapeau d'aluminium sur la tête, parler de théorie du complot, euh, montrer des extraits, parler d'aliens aussi. Moi, j'ai une grande admiration, une, une grande appréciation plutôt envers les aliens, donc ça pourrait être un, un épisode spécial. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de l'achat de données. Je <laughs> regarder avec vos yeux qui sont comme, où est-ce qu'on s'en va dans cet épisode-là. Juste avant, je vous ai dit, c'est très free. Free flow comme type d'entrevue, ce n'est pas excessivement scripté, ce n'est pas du tout scripté d'ailleurs, on, on, on le voit présentement avec vos <rire> yeux. <rire> um, donc, j'aimerais ça que vous me disiez, dans le fond, comment est-ce que vous êtes arrivé à fonder Propulsion? On va faire un petit background de votre, euh, du contexte de votre entreprise et ensuite de ça, on va s'en aller plus dans le nitty -gritty des détails, c'est quoi vos rôles respectifs dans l'entreprise, etc. Fait avant de vous laisser partir là-dessus, on va se faire un « cheers » Prendre une bonne gorgée, de Bowmore 18, ça commence. Ah, On pas donner le good. plus facile avec lequel euh, <laughs> commencer, dit, il est très... Euh, les Beaumont sont réputés pour être très fumés. Très tourbés. Très, très tourbés, ouais. Moi, j'ai trop fruité, là, mais bon. <rire> ouais. <laughs> T'es peut-être rendu à un autre niveau. Là. Quand tu commences. Quand tu apprécies le Jameson, je pense que tu es rendu à, juste à un certain niveau. Euh, mais tu peux me dire que je suis un alcoolique, toi là, J'apprécie là. pas, pas le ton. <laughs> euh, non, non, mais tu sais, pour être capable d'apprécier un bon Irish whisky, je pense que c'est pas comme entrée de gamme. Quand tu commences à déguster, tu vas y aller avec des trucs un petit peu plus euh, un petit peu plus légers, un petit peu plus. Euh, dans, ben, en fait, c'est un whisky d'entrée de gamme, mais euh, je pense que tu vas y aller avec quelque chose de plus, de plus simple, de moins compliqué. C'est sûr que le premier qu'on recommande d'habitude c'est le Chivas, regarde. Quand tu commences avec le whisky, tu, wow. tu, tu prends le Chivas. Ça goûte à rien Chivas. Ça n'a pas de personnalité. Mmh. Ça goûte le whisky. Ça goûte le scotch. Qu'est-ce que ça goûte mmh. le scotch? Ça goûte, ça goûte le chivas. Mettons comme un scotch, c'est comme, comme... Le chivas, regarde, c'est comme une belle blonde de film américaine typique. Tu sais? Elle a un visage parfaitement symétrique. Elle a les cheveux longs, mais pas trop longs. Elle a des seins gros, mais pas trop gros. Elle a des courbes, mais pas trop de courbes. Ça, c'est le chivas, regarde. c'est facile à aimer, mais c'est difficile à adorer. Ouais. Parce que ça manque de personnalité. Tu fais le tour vite. Ouais. Bref, pas plus au so guys. Je laisse partir là-dessus. Vas-y, je te laisse. Je te yes, laisse on est parti, je te dirais officiellement, il y a environ trois ans et demi, quatre ans. À la base, on est majoritairement des gens issus du monde des agences. Euh, fait on est plusieurs là, en ce moment, on est proche d'une dizaine. Euh, la majorité des gens viennent de, de, de l'univers ou de la sphère marketing. Euh, puis également, on a beaucoup de gens de la sphère technologique bas je suis un, un GodTech, tech, tous les, les cheveux longs, euh, c'est plus mon, mon univers, Gabriel est plus en, en marketing. Puis, euh, ayant tous et chacun euh, des backgrounds euh, dans le monde des, euh, des startups, dans le monde euh, des, de la techno, dans le monde euh, des agences marketing, des boîtes de web, etc., euh, quand on est parti propulser l'objectif, c'était d'utiliser tout notre savoir qu'on a sur le développement techno, le développement marketing, à nos propres fins un peu comme ton, ton podcast, euh, Domination mondiale. L'objectif, c'était de s'amuser, puis d'apprendre à créer des, on va dire des, des, des entreprises un peu R&D, un peu en laboratoire, un peu en essai. Il y a plein de trucs flyés qu'on voulait faire au niveau euh, techno, au niveau marketing, que euh, quand tu travailles pour un client, ben, tu n'as pas tout le temps l'occasion de faire, que des fois, c'est trop euh, rigide, trop stock pour essayer des stratégies un peu flyées. qu'on s'est mis à travers euh, plusieurs choses à partir des brands, des e-coms. Euh, on travaillait aussi avec des clients puis des brands en place euh, qui nous laissaient assez de marge de, de, de manœuvre, qui était assez flyés pour nous laisser euh, essayer nos stratégies folles. Puis de fil en aiguille, euh, comme Gabriel l'a bien dit là, tantôt, moi je suis, suis quelqu'un de très analytique, c'est mon côté développeur, j'aime ça être capable de, de tout mesurer, analyser, savoir avec certitude. Des fois en marketing, il y a une part d'incertitude, il y a une part de, on va dire, de. Comme tu as dit au, peu, au début, c'est un peu opaque, c'est un peu à la limite chamanisme. Des gens un peu des, des chamans de l'univers du marketing. Puis c'était la, la jonction entre les deux ponts. De dire comment on peut faire des campagnes marketing, euh, par exemple pour des, euh, du retail, du brick and mortar, des magasins physiques. Puis comment on peut s'assurer qu'on envoie des gens en magasin? Comment on est euh, capable de faire du marketing au-delà euh, de simplement retargeter basé sur l'intérêt, du behavior ou. Euh, le, le classique, tu vas sur Amazon, chacune une paire d'écouteurs, tu envoies après ça dans ton feed Facebook. On voulait aller un peu plus loin que ça, être capable d'avoir euh, d'informations géographiques, d'être capable de briser un peu la frontière entre le monde numérique et le monde physique. C'est un peu ça qu'on fait chez, chez Propulso Géo. Euh, puis, comme j'expliquais au début, c'est vraiment parti, c'est embryonnaire, c'était pour nos projets, euh, nos trucs flyers qu'on est en train de développer. On a eu besoin euh, de faire un peu de géomarketing. Comme tu as si bien expliqué dans ton introduction, euh, on s'est mis à faire des recherches. Regarder est-ce que c'est possible de cibler des gens selon leur déplacement? Est-ce que c'est possible d'acheter des données euh, de, loca de location, de GPS? Euh, ça semblait être possible. Tout le monde le faisait, personne ne savait comment faire, personne ne le faisait en même temps. C'était un, un peu contradictoire. Il y avait un univers très euh, opaque. Pas beaucoup de lumière. Est-ce que c'est -ce est légal? Est-ce que y a du consentement? Que, comment ça fonctionne? Toutes les gens qu'on a croisés qui en faisaient du géomarketing n'étaient pas capable de nous l'expliquer clairement comment ça fonctionne. Il n'y a rien de parfait dans la vie, donc c'est quoi les limites, c'est quoi les avantages et défauts. Puis, bref, ben depuis les les trois dernières années, on est parti en croisade avec toute la passion qu'on a, puis on a développé Propulso Géo, qui est notre, notre plateforme de, 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 de géomarketing euh, qui permet de, de, de cibler les gens via leur déplacement. On y revenir un peu tantôt, mais c'est un peu notre, notre background là, vraiment. On, on est bref, des gens de tech, des gens de, de, de marketing, puis on a fait la conjonction des deux pour essayer de briser la frontière entre le monde numérique et le monde physique. Hum. Mmh, c'est bien expliqué. Bien, belle introduction. Donc, dans le fond, si je comprends bien, euh, vous achetez des données de GPS des gens pour être capable de les cibler selon les endroits qu'ils ont visités. C'est ça? Oui, exact. C'est bien. Euh, je, je dirais, c'est bien résumé. Et comment est-ce que. C'est quoi les utilités pratiques? On va commencer par faire un use case parce que quand on pense à Ah, oh, ils ont acheté des données ou Ah, oh, ils vendent des données, c'est comme Ouais, oh, mais qu'est-ce que tu fais avec ces données? -là? Ça ressemble à quoi concrètement? Le genre d'application pratique de tout ça. Pourquoi est-ce que c'est tellement un big deal que... Ça devient de plus en plus important de protéger ces données. Puis il y a même des gens qui ont commencé à vendre leurs données. Il y a quelqu'un qui est dans le scandale de Cambridge Analytica en 2016 ou en 2017. Je me rappelle pas exactement l'année, mais bref. Il euh, y a quelqu'un qui avait mis son. downloadé ses informations Facebook, qui avait mis ça sur eBay en joke. T'sais. Finalement, il avait vendu son, son historique Facebook pour 60$. Pis là, tout le monde s'est dit, hey, tu sais, je pourrais trouver une façon de vendre mes propres données. Tant qu'à qu faire, tu sais, je vais les vendre. D'un autre côté, tu as Apple qui, de plus en plus, est en train de coq-bloquer Facebook euh, dans, dans l'utilisation du pixel pour qu'il va faire le suivi des gens sur. Qu'est-ce qu'ils ont acheté, etc. D'un autre côté, tu as Google Chrome, qui est une propriété de Google. Google a Google Analytics également. Microsoft vient de lancer leur plateforme d'analytique aussi. Donc, quand tu as un site web, quand tu as un, log un logiciel d'analytique qui est présent sur tous les sites web, d'accès à toutes les données de navigation de tout le monde, sur quel navigateur, surtout quand tu as le OS qui vient avec, quand tu as Android, qui est utilisé pour 80 des, 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 des devices, je suis 80 dans ce coin-là. Dans les autres. Tu euh, as accès à tout. Qu'est-ce que ces personnes le font? Et comme on a l'impression qu'on qu qu se bat un peu, qu'on des entités tout puissantes qui contrôlent nos vies. On a parlé de théorie du complot tantôt un petit peu. Ça sonne comme ça. <laughs> euh, fait pourquoi est-ce que je voudrais acheter des données? À quoi est-ce que ça pourrait me servir? Dans un cas typique, pas nécessairement moi, mais quelqu'un qui a... Un magasin qui euh, souris, puis un pion puis peut-être même quelqu'un qui a un e-commerce. Com comment est-ce que ça pourrait être utile? Ouais, c'est un, une, une très bonne manière de l'amener. Tu sais, Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? C'est que on, on va regarder une coupe de use cases, on va expliquer un peu la technologie, comment elle fonctionne. Puis la prémisse de base, c'est que comment on opère, comment on fonctionne chez Propulso Géo, euh, c'est toujours basé sur le consentement. Tu sais, je pense que tu viens de bien le résumer, là, les GAFA. Euh, il y a une raison pourquoi ils s'arrachent nos données, pourquoi ils sont aussi.. Euh, Qu'est-ce qu'un GAFA? Un GAFA, c'est euh, Google, Facebook, euh, Microsoft, ah oui. Apple et compagnie. Donc, on peut dire un, un, un gros paquebot euh, d'un point de vue institutionnel là, qui a toutes les données euh, de part des... Quand Google met de Gmail gratuit, met des services gratuits, il y a une raison. La, la raison principale étant d'accumuler des, des données sur nous. Euh, il y a une manière, on croit, puis on est pas mal convaincus d'utiliser ces données-là de manière éthique. Donc, de manière euh, légale, mais même un peu plus loin, de manière éthique, basée sur le consentement, sur le fait que les gens donnent une autorisation, nous permettent de le faire. Il y a des gens, on va le voir un peu plus tard, il y a des gens qui c'est ça qui cherchent, euh, à obtenir de la publicité pertinente et autres. Puis, il y a une manière également pour, comme tu as dit, les e-coms, euh, les gens de marketing et autres, d'utiliser ces données-là euh, de manière éthique, puis surtout dans le but de générer des campagnes à succès. C'est d'être capable de naviguer à travers, comme tu as dit, tout ces, ces, ces taux-là de vente de données, d'achat de données, D'être capable de trouver son chemin puis de trouver surtout le bon chemin. Parce que c'est facile de prendre des raccourcis, euh, de tomber dans des pièges. Puis c'est ça qu'on essaie d'éviter. Puis c'est ça qu'on s'est affairé à faire depuis les trois, quatre dernières années. Hum, quand tu as parlé de Google et de Gmail, ça m'a allumé une lumière. Dans le fond, Gmail, je ne sais pas si on peut encore faire ce type de publicité-là sur AdWords, mais dans le temps, je pense qu'on peut encore. Tu peux faire des, des Google Sponsored Promotion ou des Gmail Sponsored Promotion. Dans le fond, Google lit tes courriels. Quand je suis Voyage arabais, on pouvait cibler les gens s'ils si étaient abonnés à Air Canada, à leur infolettre. À l'infolettre de euh, Air Transat. Je sais pas, il y en a Sunwing, c'est Sunwing que je voulais dire parce que c'était le plus grand comp compétiteur. Google lit tes emails. How creepy is that? Creepy as fuck. Mais en même temps, si je suis voyage arabais, c'est pas creepy. C'est génial. Fact. Puis en même temps, je veux dire, le consommateur donne son autorisation en signant à ces services-là, mais il ne sait pas vraiment. C'est ça qui est un peu euh, un peu perturbant. Mais, euh, Gabriel, quand on s'est parlé, au, au, quand on a fait une pré-entrevue pour justement le podcast aujourd'hui, tu m'as expliqué un peu comment est-ce que ça fonctionne, l'anonymisation de ces données-là. Parce que Google ne va pas dire, « Hey, telle personne est abonnée à telle infolettre. » serait, Ça, ça serait vraiment « creepy ». Mm -hmm. Ça serait comme next level weird. <laughs> euh, fait, je veux quand même qu'on qu donne quelques exemples euh, plus concrets au niveau d'une de, 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 entreprise qui a pion sur rue, tu sais, de stratégie marketing à implémenter. Et ensuite de ça, on, je pense que ça serait vraiment important de parler de comment est-ce que ces données-là sont anonymisées. Hein, puis qu'est-ce que ça représente exactement là, Comme, comme qu'est-ce que le monde sait concrètement sur toi oui, ben c'est ça t'sais, pour les stratégies euh, en, dans le concret c'est sûr qu'une boutique de vente au détail peut s'en servir pour cibler ses compétiteurs je pense que c'est la première chose qu'on voit euh, les consommateurs qui vont dans les boutiques compétitrices sont habituellement sont très chauds à ton produit donc le but c'est de cibler ces consommateurs soit live ou soit en reciblage euh, dans le fond sur leur téléphone mobile avec leur consentement bien sûr pour leur montrer les publicités pour pouvoir les attirer en magasin. Donc, ça, c'est la stratégie numéro un. Sinon, tu as euh, bien sûr la stratégie de euh, tes, tes propres clients qui fréquentent souvent ou euh, quelquefois ton magasin. Euh, si tu veux augmenter la fréquence ou peut-être leur pousser une offre, un upsell, ou augmenter, euh, ben, c'est ça, bref, la fréquence ou les, les achats, c'est sûr que tu peux les recibler et tenter de les ramener dans ton magasin. Donc, je prends toujours l'exemple d'une boutique d'animaux. Euh, peut-être que quelqu'un qui s'achète un nouveau chien, c'est mon cas euh, récemment, c'est pour ça que je parlais de ça. Euh, je m'en vais là, je m'en C'est C'est un golden retriever. Oh. C'est, euh, j'ai déjà, en tout cas, j'avais déjà eu euh, un golden ouais. retriever dans le passé, puis je l'ai pris euh, à la même place. Euh, c'est comme un, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça, mais c'est un sentiment. Euh, pour ça, que je voulais <laughs> un golden retriever. Fait que, bref, euh, tu sais, je suis allé dans une, euh, tu sais, dans une boutique animale, puis là, c'est sur ont essayé de me vendre comme plein de jouets, puis tout ça. Puis après ça, je me suis dit. Quelle belle opportunité après ça de recibler ce client-là et de dire Hey, quand tu vas avoir ton nouveau chien ou peu importe, quand tu. Euh, je t'offre une coupe de griffes gratuite. Ah, coupe de griffes, ça ne coûte à rien, quasiment, quasiment pas. La personne revient, achète une multitude de jouets, de la bouffe, tout ça. Donc, on augmente la fréquence de visite puis on augmente les ventes du magasin. Donc, ça, c'est la deuxième stratégie. Pis sinon, on peut. Euh, par exemple, mettons qu'on a une boutique au Distran. On pourrait. Géo ciblé le 10 30, donc font tout découper les magasins, puis euh, annoncer à tous les gens qui sont là en ce moment. Donc ça, ça fait en sorte, puis c'est sûr qu'en ce moment c'est très pertinent. On dit que dans des, des centres commerciaux, on pourrait afficher live la publicité à des gens qui sont en train de shopper, qui sont des hot shoppers maintenant. Donc, c'est toutes des stratégies qu'on peut faire. Puis tu sais, je fais un parallèle avec ce que tu faisais, euh, ce que tu disais, tu sais sur Facebook, sur notre expérience sur le web, je pense que tu me disais ça l'autre fois que avais essayé d'enlever tes third-party cookies tu t'avais bloqué comme tous les ciblages de ces sites-là, tu t'es rendu compte que la publicité, c'est vraiment de la merde. Genre, tu voyais des trucs vraiment pas pertinents pour toi que t'aimes pas. Fait que dans le fond, c'est un peu la même chose qu'on essaie de répliquer live avec les consentements. Je mais... me suis acheté du revitalisant, man. Mes, mes... <laughs> ah, je mes cheveux étaient que... soyeux. C'était fantastique. <laughs> J'avais plein de produits de beauté chez moi. C'était génial. J'ai commencé à me faire des manicures, pédicures. <laughs> Ouais, mais c'est ça. Puis il n'y a rien qui existe pour le monde, euh, le, le monde euh, réel, le monde live, dans le fond, pour les boutiques locales. Euh, on ne peut pas essayer. Tu sais, quand tu fais de la pub sur Facebook, le pixel est tellement entraîné qu'il va être capable de cibler les gens qui vont sur les sites web de tes compétiteurs. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça l'autre jour est tu capable de faire ça, cibler les sites web des compétiteurs dit, Non, mais le pixel Facebook, il sait que si tu vas visiter un site de matelas, ben, ça se peut que ils sont intéressés à ton site de matelas parce qu'ils sait, sait reconnaître les types de sites, et les types de clients qui sont intéressants dans les produits. Donc, pourquoi ne pas répliquer cette même technologie-là live pour aider les boutiques physiques? C'est ça qu'on essaie de faire. C'est un, un peu comme, c'est Google Ads, on utilise des mots-clés. C'est des intentions basées sur euh, des mots-clés. Si j'ai cherché, mettons, un, un matelas euh, dans Google, ben, les gens vont enchaîner sur les mots-clés. Euh, Facebook avec le Pixel est capable de voir tes behaviors, mettons, est-ce que tu es quelqu'un qui va sur un site de matelas? Est-ce que tu es quelqu'un qui a un champ d'expertise ou d'intérêt pour le matelas? Le géomarketing, ça force, puis où on pense que vraiment un avenir là, très prometteur, euh, pas juste nous, en fait, beaucoup de. de c'est une ruée valeur, on peut dire, c'est ancien en marketing, c'est de dire, on utilise la position des gens, donc les lieux qu'ils fréquentent en ce moment ou qui ont fréquenté dans le passé, dans le but de déterminer est-ce qu'on leur affiche une de publicité. Donc, dans le présent cas, avec l'industrie du matelas, on pourrait dire, ben chez mes compétiteurs. Donc, si j'ai une boutique de matelas X, tous les gens qui fréquentent mes compétiteurs directs, je capte son auditoire. Donc, je vais voler entre guillemets des consommateurs à mes compétiteurs. Ça, ça ouvre une porte, on va dire, une infinité de stratégies. Euh, autant euh, comme Gabriel disait, on peut recycler sa propre clientèle. C'était un restaurant pour offrir un coupon. C'est tu dis, il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils sont pas venus. Euh, bon, c'est sûr qu'en temps de pandémie c'est différent. Il faut repenser un peu les stratégies, mais en, en temps plus normal, euh, quelqu'un qui vient dans ton ça restaurant. Il faut savoir c'est qui qui est pas confiné puis le chicaner. <laughs> voilà. Hein? J'aimerais ça qu'on. Qu J'ai quelques questions dans le fond. Oui. Première question, c'est lorsque vous dites que vous envoyez un message ou une publicité, aux gens, c'est à travers quel canal Parce que vous faites pas, tu vous pouvez pas envoyer une notification sur le téléphone du monde, puis dire Hey, I, I see you. Non, mais c'est une très bonne. C'est une très bonne question. Soit la perception des gens, cest de dire ah, oh, je vais envoyer un pop-up. Ce n'est pas, pas tout à fait de cette manière-là. On peut on peut-être peut des, des e -pins un peu plus sur comment la techno fonctionne, mais grosso modo, c'est de la programmatique. Donc, nous, notre, notre univers ou les publicités qu'on achète ou qu'on affiche, c'est de la programmatique standard. Qu'est-ce que c'est de la programmatique? C'est tout espace numérique qu'on peut acheter sur le web. On peut penser à des bannières, le classique. On va sur un, un site de météo, sur un site de sport. On va, aller voir, on va voir des bannières quand on scroll sur le site. Euh, on peut acheter de la vidéo. Euh, que ce soit en pre-roll, par exemple, sur YouTube, une émission sur 2.tv, euh, tranquillement pas vite des services comme euh, ULU et compagnie aux États-Unis avec le, le, le live euh, TV streaming, ça s'en vient aussi très, très fort. La télé traditionnelle qui fait tranquillement pas vite euh, place au, euh, à la programmatique, qui un jour, qui sait, peut-être, va tout s'acheter en, en programmatique. Euh, ça peut être également de l'audio sur Spotify, par exemple, Spotify gratuit. Euh, ça peut être du contenu natif. Bref, les formats sont virtuellement impossibles euh, que dans le fond... Je suis au centre d'achat. Je viens de rentrer au Best Buy. Et puis, je suis en train d'écouter. J'ai des écouteurs. Puis, je suis en train d'écouter Spotify. Puis, j'ai une pub hey, de, de Best Buy qui me dit hey, Saviez-vous que nous avons une promotion sur le nouveau MacBook avec la nouvelle chip M1 dedans qui est super vite? Puis, puis là, tu es comme Ah, Spotify, il faut changer de tonne. Tu t'en vas, tu, tu vois une notification Facebook. Tu cliques là-dessus. Tu vois une pub de Best Buy avec le même ordi qui essaie de te vendre. Clique sur un lien de nouvelles, tu arrives sur le site de TVA, un autre pub de Best Buy. Dans le fond, c'est de cibler les gens sur leur téléphone, peu importe ce qu'ils sont en train de faire sur leur téléphone. Tu essaies de te mettre devant eux autres as tout compris. à travers le réseau Display AdWords, à travers le réseau Facebook, à travers Spotify, puis tous les exchanges, toutes les places de marché euh, publicitaires, mais vous, vous avez tout simplement pris un accès euh, programmatique que vous playez dans leur API ou quelque chose dans le genre, vous faites de l'achat dynamique d'espace de, publicitaire. C'est très bien résumé. Tu sais, L'objectif, c'est d'être euh, de prendre une publicité, peu importe le format, que ce soit une vidéo, de l'audio, une bannière, de la montrer au bon moment après une action, que ce soit être allé dans un magasin et autres. Donc, pendant que quelqu'un est dans une intention d'achat, pendant qu'on peut lui parler de notre produit, essayer de le warmer un peu, de réchauffer le trafic. Puis de lui présenter une offre, une promotion, peu importe. C'est là que ça vient le bon moment. Puis c'est là que, comme tu as dit, on s'intègre avec des. On travaille avec près de 300 exchanges publicitaires, grosso modo, avec euh, beaucoup de fournisseurs, d'intégrateurs, d'API et de d'autres termes techniques. On travaille en bref, on peut rejoindre environ 300 fournisseurs euh, d'espaces de, de, de bannières, de vidéos, euh, de contenu euh, intertiel, etc., etc. Donc, c'est au niveau de l'inventaire numérique. C'est nous, de notre côté, au niveau de la tech, c'est pas ça qui est important pour nous. Ce n'est pas tant le message qu'on va aller présenter à la personne, c'est plutôt à qui on le présente, puis à quel moment. C'est beaucoup là-dessus qu'on va aller travailler. Donc, souvent, les gens, quand ils vont rouler des campagnes, disons qu'on on a une boutique locale puis qu'on veut aller voler des, des consommateurs compétiteurs, souvent, voler. ils vont… <laughs> c'est le bon terme. C'est, on va dire, influencer les, les consommateurs de À de faire le bon choix. À faire le bon choix. Exact. À venir dans sa boutique. Donc, on va lui afficher des bannières… Des vidéos, souvent les, les commerces locaux euh, sont capables de se faire, faire des bannières par un, un graphiste, ou ont déjà un, un visuel Facebook qui traîne en quelque part ou quelque chose qui est pertinent. Puis ça va être vraiment d'aller cibler ces gens-là et d'aller leur afficher au bon moment. Il y a quelque chose qui est important. T'sais, depuis le début, on parle du fait que, on, on va se le dire, là, de prime abord, ça fait peur. C'est quelque chose qui est assez intrusif. Quand les gens se doutent que ça doit exister, ouais. un peu comme on dit au début, tout le monde en a entendu parler. Ils aimeraient ça en faire, ils n'en ont jamais fait ou ils en font, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Là, on va le démystifier. C'est ça un peu qu'on est venu avec toi, c'est de regarder comment qu'on peut, comment ça fonctionne concrètement. C'est quoi les rouages, comment ça se fait qu'on est capable, nous, chez Propso Géo, d'avoir accès à ta position GPS, dans quel contexte, puis dans quel cas on a accès à ta position, puis comment, on, comment on tricote alentour de ça, comment on vient jusqu'au moment où tu vois la publicité sur ton téléphone après être allé dans un magasin. Ouais, avant qu'on qu lève le rideau on a regardé les rouages de comment est-ce que ce, cette machine-là fonctionne. J'aimerais ça te demander à quel point est-ce que c'est précis, cette donnée GPS-là. Tu mettons que toi je suis dans une boutique. Il y a d'autres boutiques à côté. Là, je veux dire, à, en face du studio ce qu'on est présentement, il y a un magasin de lumière. Mais à côté du magasin de lumière, il y a un sex shop. Là. Comment est-ce que vous faites pour savoir que je ne suis pas dans le sex shop que je suis dans le magasin de lumière? Vous pouvez dire ça. C'est une très bonne question euh, de... Après, il y a eu ça, beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, je peux faire quelque chose de similaire avec Facebook, avec Google. On peut, géo on peut localiser de la pub. On peut dire Fais une publicité dans telle ville ou environ dans tel radius de, de 100 mètres. C'était jusqu'à tout récemment les limites. Et tu, comme tu l'as dit, ben, ça, ça fait que, veux, veux pas, on captait du trafic qui n'était pas pertinent ou qui est à côté. Dans le cas du géomarketing, Geo-fencing, geo ça a un million de noms. Nous autres, on a statué sur Geo-marketing pour être capable de, de fonctionner au quotidien avec un seul terme à travers l'équipe, mais il y a énormément euh, de noms pour ces, ces, ces technologies-là. La précision au Canada varie d'environ 3 mètres euh, quand on est à l'intérieur, 3 à 5 mètres quand on est à l'intérieur, jusqu'à environ 1 mètre plus on est en zone urbaine dense. Donc, plus on va être euh, dans un endroit, c'est sûr si on est au Yukon, le Réseau GPS va peut-être avoir plus de misère à nous localiser, mais l'avantage, c'est que les boutiques sont espacées. Il y a plusieurs centaines de kilomètres entre chacune des boutiques, donc on est correct. Comme ça, comment tu as introduit une objection d'affaires, mais que tu l'as tout de suite réfutée <laughs> en disant au Yukon, il n'y a pas de centre <laughs> Mais quand, quand on arrive dans le centre-ville de Montréal, euh, là, on va avoir une précision là, qui est à quelques mètres. Donc c'est certain, comme ce serait de mentir que de dire qu'il n'y a pas de marge d'erreur. Dans, dans tout dans la vie, il y a une marge d'erreur, mais la marge d'erreur qu'on réussit à atteindre, pas Juste nous chez Propulso Géo, mais le géomarketing en général euh, est rendu assez précis pour dire qu'on peut se fier à 99,9% par la suite aux gens qu'on capte. Euh, on peut faire, il y a toutes sortes de questions. Souvent, les gens disent si je cible un compétiteur, comment je fais pour ne pas annoncer à ses employés euh, Comment que je fais pour ne pas capter, le, par exemple, quelqu'un qui passe en métro en dessous du magasin Les gens vont toujours trouver un, un million de de scénarios catastrophes qui peuvent arriver. C'est sûr qu'il y a une marge d'erreur, tout, tout n'est pas parfait comme, on, comme je mentionnais, mais euh, de ma abord, on a, on a trouvé. Euh, y a, grâce au réseau GPS, on est capable d'avoir une précision qui est quand même assez inégalée. C'est pas parfait, mais rendu à 1, 2, 3 mètres, on est capable de, de cibler dans un magasin, dans un bâtiment avec une précision qui est quand même satisfaisante pour des besoins marketing. Hmm. Puis j'imagine que lorsque vous faites une campagne, vous assisez avec le client, vous lui demandez bon, ben, quels sont les... Différents compétiteurs que tu aimerais pouvoir cibler. Euh, fait que là, tu te dis, bon, mettons, moi, je suis un joueur d'équipement sportif en, en ligne. Fait que, OK, tout le monde qui s'en va dans des sports experts, tout le monde qui s'en va dans des atmosphères. Fait que là, il faut délimiter euh, à la main toutes ces locations-là. Comment est-ce que ça fonctionne de votre côté? C'est quoi la charge de travail qui est nécessaire pour faire ce. Une, on dirait qu'il y a une partie du travail que c'est du work, qui est comme un peu lourde. C'est ah, oui. un c une très bon. Euh, tu as une bonne compréhension. C'est certain que quand on veut faire une campagne, la première chose qu'il faut toujours se demander, c'est quoi l'objectif? Veux tu veux-tu amener du trafic d'un compétiteur à chez toi? Est-ce que tu veux amener du trafic, disons, d'un lieu physique à ton e-commerce en ligne? Est-ce que tu veux recruter? Ça, c'est un autre exemple qu'on n'a pas parlé tantôt, mais on y reviendra un peu plus tard. Il y a énormément euh, de compagnies qui servent de ça pour recruter. Euh, prenons un exemple fictif. Euh, S'il si, euh, y a deux usines, une en face de l'autre, euh, tu peux cibler l'usine de l'autre côté de la rue euh, sur le chiffre de nuit. Puis afficher un créatif du genre T'as né de travailler de nuit, euh, viens nous voir demain matin. Là, ben, tu peux aller recruter puis voler des travailleurs qualifiés de cette manière-là ailleurs. Donc, dans un, un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui est assez inusité, là, assez, euh, on va dire, euh, une solution créative à un problème là, qui était de, euh, qui est encore d'actualité euh, malgré la pandémie. Euh, mais oui, on va regarder c'est quoi les objectifs. C'est du recrutement, d'amener des gens en magasin, etc. Puis par la suite, oui, il va y avoir un travail de recherche, de dire c'est quoi les lieux qu'on veut cibler et autres. Puis au niveau de l'offre de service, comment on fonctionne, jusqu'à tout récemment, on était euh, en managed services. C'est-à-dire qu'on était on, on a un peu comme un trading desk, c'est-à-dire quelqu'un veut rouler une campagne, il y a son account manager, il nous contacte, on, on s'organise, on discute et autres. Mais là, euh, je peux te le dire, en toi, en primeur mondiale, on s'était gardé mmh. la surprise pour aujourd'hui, mais comme on est des gens bien passionnés, puis. Le marketing jusqu'à tout récent, c'était réservé aux gros brands. C'est beaucoup les, les brands nationaux, les grosses compagnies qui visent euh, avec des très, très gros budgets publicitaires, de par notre intervention humaine. On va se dire les vraies affaires. C'est sûr que si on a un court manager qui doit passer plusieurs heures à monter une campagne et autres et autres, on ne pouvait pas rouler de petits budgets, euh, de micro-budgets ou de quelque chose de plus à l'échelle locale. Malgré tout, notre bonne volonté, on, comme tu dis, il fallait aller découper. Donc vraiment dans un plan Google Maps, il fallait tracer chacun des lieux, aller mettre des points. On a des spécialistes de au bureau qui pensent une souris par mois qui sont euh, des, cli <laughs> des cliqueurs professionnels qui sont capables d'aller découper dans une carte tous les points. Euh, bon, dans, les, uh, dans les shooters, Call of Duty, ça doit être pas pire, ce monde. <laughs> <laughs> ah, puis finalement, tranquillement, poète, on s'est monté une banque de connaissances. Des POI, des points d'intérêt. Il euh, faut se tous les Canadiens, les Walmart, les Sports Experts et autres de la province. Euh, on finit par être capable de monter une banque de connaissances. Puis la première, la, la, la primaire mondiale qu'on peut annoncer, Personne ne l'a vu, personne ne le sent encore. Ça fait plusieurs semaines qu'on on travaille là-dessus, mais on va lancer une plateforme grand public, euh, vraiment orientée self-service, un peu comme Google Ads et Facebook Ads. C'est ça à quoi on aspire. On s'attaque à des très gros géants. Donc, il faut innover, il faut être créatif pour être capable d'amener euh, une valeur ajoutée et d'amener des produits euh, de plus en plus créatifs. Mais euh, on va lancer très prochainement, puis les gens peuvent déjà d'ailleurs le voir sur notre site, peuvent s'inscrire à la bêta, euh, obtenir un peu à l'avance pour avoir accès en primaire à la bêta ils vont pouvoir faire tout ça d'eux-mêmes, de la maison, de chez eux. Ils vont être capables de, de dire euh, Je veux rouler une campagne, voici euh, mes objectifs, voici les lieux suggérés, les lieux que j'aimerais viser, être capables de, de choisir sur le volet ou eux-mêmes, s'ils veulent prendre le contrôle, peuvent aller dessiner dans un plan, s'ils connaissent. Ah euh, oh, ouais. euh, Par exemple, si tu veux cibler euh, juste le rayon des chaussures chez Walmart ou si tu sais euh, euh, que les travailleurs que tu veux recruter sont dans tel entrepôt, en entre telle heure et telle heure. Donc les gens vont être capables d'aller eux-mêmes créer leur campagne. Donc, ça, c'est une primaire parce que, comme, on, comme, comme je disais, ça réservé beaucoup aux brands nationaux. Il y avait beaucoup d'humains, d'impliqués dans le processus et autres. Puis nous autres, on essaie de rendre ça, de simplifier l'expérience pour faire en sorte qu'en quelques clics, tu peux se rejoindre tes consommateurs puis lancer une campagne. C'est quand, quand même assez fou. Puis, j'imagine qu'il y a des applications, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des applications de téléphone cellulaire qui te permettent de savoir c'est quoi ta position géographique actuelle. Fait que tu pourrais potentiellement, comme que tu viens de le dire, t'en aller dans le Walmart, sortir ton téléphone, prendre des screenshots et délimiter. L'allée qui t'intéresse, pour savoir c'est qui qui passe du temps là, pour ensuite de aller sur votre plateforme, rentrer ça sur la Google Maps, puis se faire des espèces de de, 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 de ciblage géographique de je sais pas moi, la vaisselle chez Canadian Tire. Tu vends ton kit de vaisselle en ligne. Meilleur. Tu comme meilleur qu'au Canadian Tire. <laughs> non, c'est quand, quand même intéressant. Euh, ceci étant dit. Euh, moi, je vois plus ça pour des high-ticket items, comme pour des concessionnaires de voitures, ça doit être, exce ça doit être excellent. Mercedes, BMW, lorsque les valeurs de transaction sont élevées, puis qu'on n'a pas besoin d'avoir une tonne de consommateurs pour être capable d'aller chercher euh, euh, d'aller chercher une rentabilité. Parce qu'un des challenges avec l'achat le, avec le, 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 publicitaire, c'est que tu es, es limité au, au niveau de ton audience hein, parce que tu vas souvent payer au CPM, comme par 1000 impressions. Fait que ça te prend comme 1000 personnes qui aient passé dans ton allée pour être capable, de, être capable de dépenser 10 pièces dans ce type de ciblage-là. Euh, J'imagine que vous êtes capable, pour augmenter la taille de l'audience potentielle, être capable de retourner dans le temps pour dire à tous les gens qui sont passés dans ce rayon-là dans la dernière semaine ou dans le dernier mois ou dans la dernière année. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire? Ou? Oui, c'est quelque chose. Tu sais, Virtuellement, ça fait pas 30 ans que les techno existe. Donc on ne peut pas remonter plus qu'un certain nombre de mois, un certain nombre d'années. Il y a aussi également une question de va il y aura un peu plus temps mais de consentement, euh, de dire est-ce que les, la donnée a expiré, est-ce qu'elle est toujours valable. Mais règle générale, on est capable d'opérer sur, comme tu as dit, de, de, de bouger dans le temps. Donc, de dire on va aller reculer un peu ou on va cibler les gens pendant X nombre de temps. Souvent, influencer un consommateur, ça ne prend pas euh, un, un seul affichage de bannière. Donc, si on capte, par exemple, 100 personnes chez un compétiteur, avant d'être capable de les convaincre, de les warmer, de bien les éduquer avec nos, nos campagnes publicitaires, on va avoir besoin en général de, de plusieurs affichages. Donc oui, c'est un bon point. Jusqu'à tout récemment, effectivement, c'était beaucoup les, les grandes entreprises qui visaient des centaines de lieux et autres, mais on a travaillé beaucoup dernièrement. Ça a été notre mission dans la dernière année pour viser euh, des campagnes plus locales, plus micro, c'est-à-dire qui ciblent quelques lieux, donc peut-être un 5-6 consommateurs qui roulent des micro-budgets de... Une centaine de dollars, un 200, un 500 par mois, tout au plus. Puis, à partir de budgets comme ça, on est quand même capable de générer des résultats intéressants. Puis, euh, comme tu mentionnais, un des, un des struggles pour ces compagnies-là, c'est d'être capable de s'assurer que c'est rentable, de dire, est-ce que si j'achète quelque chose au CPM, souvent ça vient mélanger en fait. est-ce que CPM, là, il y a des clics, des clics through rate, il y a un paquet de métriques à surveiller dans une campagne programmatique standard. Puis, une des forces peut-être qu'on qu n'a pas mentionné de cette techno-là, comme on a la position des gens. On est capable de détecter son sont allés chez un compétiteur, de leur afficher la publicité, mais surtout de mesurer combien ils reviennent dans ton magasin. Mmh. Ça, c'est là où on brise vraiment la frontière numérique puis physique, parce qu'on est capable de dire parmi toutes les gens qui ont vu ta publicité, voici, en a tant qui ont été influencés. Euh, et ils sont revenus dans ton magasin par la suite. Donc, il y a comme mmh. un ordre logique, là, on pourra, on, on, on pourra s'étaler un peu plus tantôt là-dessus, mais sur comment on attribue une conversion en magasin. Puis ça, c'est assez unique parce que quand on fait une campagne Facebook, quand on fait une campagne Google Ads ou n'importe quelle technologie publicitaire, c'est toujours un approximatif. Il y a toujours une part de dire « Ah, est-ce que ça va amener du monde? » Si, si tu es un, on va dire, as un centre d'esthétique, de, un centre de coiffure, un gym ou well, concrètement, c'est bien beau des clics d'avoir des... À moins d'avoir un e-commerce où tu fais des ventes en ligne, si tu veux des gens en magasin, si tu veux amener du monde dans ton commerce local physique, c'est très difficile... De savoir si une campagne fonctionne, puis de le savoir à 100 Puis l'avantage avec cette techno-là, c'est que comme on peut suivre les gens, qu'on a accès à leur position, on va être capable de le dire avec certitude, encore une fois, à 99.9 des poussières, on va être capable de dire Bien, Voici les gens qui ont été chez des compétiteurs, qu'on a ciblés et qu'on a réussi à vo guillemets, voler, et à ramener chez toi dans ton commerce. Ça, ça c'est une fonctionnalité qui est assez unique. C'est comme ça qu'on peut s'assurer de générer des, des campagnes à succès. Puis je. Si vous êtes curieux, on avait des, des, des exemples. On a fait des moyennes d'industrie. Comme ça fait près de trois ans et des poussières qu'on roule cette plateforme-là. Euh, on a roulé, euh, je crois, déjà plus d'un quart de million euh, de conversions en magasin au Québec. Donc, dans les trois dernières années, on a eu près de 250 000 euh, personnes qui ont vu des publicités de propulsion géo et qui ont converti dans les magasins de nos clients. Donc, quand même, on n'est on pas peu fiers. On n'avait jamais pris la peine de faire une pause avant ce matin avant de venir à, à ton podcast, de dire on. On est, rendu, on est rendu à combien, mais même de rien, c'est 250 000, un quart de million de personnes qu'on a réussi à ramener dans les magasins de nos clients. C'est vraiment intéressant. Je pense que tu as, as sorti ton téléphone pour ceux qui nous, qui nous écoutent. <laughs> là. Quand il sort son téléphone, la good stuff is coming. <laughs> ouais, exact. Ben, tu, disais, tu, tu disais que c'est peut-être plus réservé aux high-ticket items, comme les concessionnaires, les autos, tout ça. Euh, T'sais, je vais te poser une question, Oli. Euh, je sais que tu pas... Euh, tu l'air quand même connaissant, tu as fait tes recherches, tout ça. Je sais que tu ne roules pas des campagnes de jeux marketing tous les jours, mais tu penses qu'un CPA moyen, mettons, dans l'automobile, je vais te prendre trois domaines. Là. Premièrement, l'automobile, tu penses qu'un CPA moyen, c'est quoi prendre un client qui va, mettons, chez Toyota au bord de la rue, puis qui convertit, mettons, dans ton magasin chez Honda ou peut-être un Toyota, euh, à, mettons, 5 km? Oh, c'est une bonne question. Ça dépend de la plateforme sur laquelle tu as cible. Euh, typiquement, mettons, si tu, tu mets de la pub à radio, à TV, d'un journaux, je pense que l'acquisition d'un client pour un concessionnaire, ça doit coûter autour de 500 euh, Je pense que sur Facebook, tu es capable de t'en tirer à 80. Avec vous autres, je vais être bold. Je vais dire 40. Okay. On est à la moyenne de tous nos clients dans l'automobile c'est 12 et 33. Oh my God! Canadien. Euh, oh my God. Oh my god! C'est bon! Puis pour le commerce de détail, euh, si on parle des, des, des commerces tout, tout confondus, là. Euh, on parle qu'on est à 8,70 de moyenne de conversion en magasin. Mais quand on parle de conversion, on parle de quelqu'un qui, qui est venu en magasin, ouais, quelqu'un qui a acheté. C'est sûr que a marché en magasin, ouais. qu'il a pas acheté. C'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement se rendre jusque-là ou pour on tombe, on ne sait pas. <laughs> euh, mais euh, c'est ça. Fait que, on ne peut pas tout garantir, mais quelqu'un qui va passer du temps en magasin, ce n'est pas quelqu'un euh, qui va être passé devant le magasin et qu'on va l'avoir capté. Notre technologie est capable d'exclure ces gens-là on est capable de, de capter la vitesse les gens qui vont, qui vont marcher, puis la durée aussi. C'est certain que si quelqu'un est, par exemple, dans un percentile qui est, euh, qui est hors norme, par exemple, dans le premier percentile, ben, on va pouvoir l'exclure des données de conversion. Mm -hmm. Puis sinon, dans la restauration, c'est un peu insane. Là, la restauration, il, il m'a montré ça tantôt. J'étais comme, c'est ça, tu oublié un chiffre. C'est 2,55. De coup par conversion. Mais c'est sûr que les gens qui s'en vont dans les restaurants habituellement sont plus, euh, plus un type épicurien qui aime ça, découvrir des nouvelles recettes, découvrir des nouveaux plats. Euh, J'imagine que si tu t'en vas, je ne sais pas moi, au Ophélia, puis que tu as un autre que, euh, restaurant fancy à Québec qui cible les gens qui s'en vont justement dans, dans tous leurs compétiteurs mais ben, moi je vois cette publicité-là en tant que personne qui aime découvrir des expériences. Puis euh, c'est sûr que ça doit je, à, apporter des conversions avec 2,50. Waouh! C'est vraiment. Un... Wow! Ben, c'est insane. Puis, tu sais, les restos en ce moment, ils ont évidemment un challenge. Ils sont tous fermés, ils commencent tout à faire du take-out. Donc là, nous autres, on a pris ça à notre avantage. On, on, on cible les restaurants, les gens qui vont prendre le take-out. Ben, obviously, c'est des gens qui sont likely de le faire sur une base régulière. Il y a donc... beaucoup de, Uber, euh, de chauffeurs Uber Eats, par contre, là, <rire> qui rentrent <laughs> dans ton ciblage. là là, oh, c'est ça, ça. Mais, euh, fait que, tu sais, on est capable de cibler les gens qui. Euh, qui, qui T'sais, en fait, si, mettons, un restaurant fait juste du barit, ben, c'est sûr qu'il qu ne il fait pas du, du take-out. C'est sûr qu'on va être capable de, de choisir lesquels on cible, mais euh, de général... Mais mec, qu'on la, 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 revient à la normale, la nouvelle normale, peu importe à quoi ça a de l'air. Euh, je pense que ce genre de, 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 de stratégie-là pour les restaurants, ça devient excessivement intéressant. Et puis, au début, je ne savais pas... Trop pour qui ça pouvait s'appliquer. Mais maintenant que vous me dites que vous êtes en train de travailler sur une plateforme qui est. Euh, allez, oui, moi, je savais pas de ceux qui nous écoutent. Souvent, les gens vont se dire oh, non, Olivier était dans le coup. Là. Sûrement que les gars, ils payent en dessous de la table pour, pour leur faire un petit. Euh... Non, non, je ne savais pas. Je savais absolument pas que vous aviez une plateforme self-serve qui. Euh, qui était dans le pipeline, j'ai fait des recherches pour être capable d'acheter. C'était classifié jusqu'à ce, jusqu ce <laughs> matin. Et on a déclassifié <laughs> l'information pour toi puis pour ton auditoire en primaire mondial. Wow. Et j'ai essayé justement de, de regarder comment est-ce que je pourrais euh, acheter des données pour faire ce genre de campagne marketing-là avant le, avant le podcast. Puis effectivement, c'est tout du B2B pour des grosses compagnies, avec des formulaires où qu'il faut que tu parles un rep. Probablement que ça va. Ça doit coûter cher avoir accès à ces données-là. Euh, fait qu'il n'y a pas vraiment de plateforme self-service qui existe. T'sais, Google on la leur qui permet de faire un petit peu ce que vous êtes en train de dire. Facebook on la leur qui permet de faire un petit peu ce que vous êtes en train de dire, mais pas vraiment. T'sais. La différence, c'est vraiment la pression. Eux, ils vont exact. essayer de faire des cercles à d'un lieu, mettons un cercle d'un kilomètre. Ils ne mesurent pas les, les conversions avec autant de pression en magasin. Donc, comme on se bat contre des gens, on n'a pas le choix d'innover. On essaie d'aller plus loin. Euh, d'ajouter de, des nouvelles features, puis de surtout, comme tu as dit, c'est un, un monde qui est opaque. C'est un monde qui n'est pas clair. Il y a toutes sortes de, de données qui s'entremêlent. Il faut tout le temps parler à un rep qui, lui, te réfère à quelqu'un d'autre qui est rendu euh, euh, dans un autre pays. C'est compliqué à comprendre. Donc, nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de rendre cette technologie-là accessible. Mm -hmm. C'est quelque chose qui, en Europe, on, un peu dans l'avance par rapport au Canada et aux États-Unis. Comme ils sont un peu plus en, en région urbaine dense, ça fait peut-être un an et demi là-bas que c'est très populaire, que c'est plus démocratique, que ça s'en vient tranquillement pas vite. Mais au Canada et aux États-Unis, on a vraiment des, des croûtes à manger. C'est ça qu'on essaie de, de, de donner euh, aux consommateurs puis aux, aux entrepreneurs, surtout québécois, euh, canadiens, américains et autres, de donner une plateforme qui rend ça simple, que c'est clair, qu'il n'y a pas de surprise, qu'il n'y a pas besoin d'acheter de, des données dans le fond d'une ruelle euh, en, en échange avec quelqu'un. Tu le sais que tout est conforme, tout est éthique, tout est simple, tout est clair. Il y a des limites à qu ce qu'on peut faire, on ne peut pas tout faire, mais d'avoir un beau cadre simple et efficace pour le faire. Justement, parlant d'éthique, euh, on n'en a pas encore parlé. Fait que jusqu'à présent, les gens qui nous écoutent pensent qu'on est des machiavéliens. Ma... Machiavelien... En tout cas, là, des gens machiavéliques, c'est ça. Euh, pensent qu'on est machiavéliques et qu'on qu n'a aucune morale et aucune scrupule, mais de ce que j'ai cru comprendre, euh, ces données-là sont anonymisées. Il y a un certain protocole de change, euh, il y a un certain standard dans cette industrie-là. Donc, de votre côté, euh, comment est-ce que ça fonctionne? Où est-ce que vous achetez ces données-là? De qui est-ce que, est que, est que vous les achetez? J'ai pris un petit peu de tour de scotch. Euh, mesdames et messieurs, toi, t'en as pas assez pris, je pense manifestement. Que es pour un ton... deuxième verre, c'est souvent après le deuxième qu'on commence à parler comme je du monde. Complètement d'accord. as des bonnes idées aujourd'hui. Je vais vous resservir. Du même coup, pourquoi ne pas faire une bière de Merci, euh, mon cher. C'était excellent. Euh, Bomer 18, je n'avais pas goûté encore. J'avais goûté beaucoup de Bomer, mais. Euh, les autres, je te dirais, c'est quoi, c'est le Bomer euh, 15? Le 15 est excellent. The Darkest Cask. Euh, Incroyable. C'était lui que j'avais préféré parce que, tu sais, c'est sûr, le 10, 12, très smoky, Tu ne réussis pas nécessairement à l'écouter. Euh, la ceinture de cuir de ton grand-père en arrière de. C'est bizarre dis-le-moi. Dis C'est un de mes bonnets qui m'a sorti ça l'autre jour. Il y a tellement genre, le, le nez, en tout cas le palais aiguisé qui m'a sorti ça. Il dit, ah, ça coûte la, la ceinture, de, ceinture de, cuir. de cuir à mon grand-père. J'étais comme ouais, je suis pas, pas rendu. Comment est-ce que pourquoi t'as goûté à la ceinture de cuir de ton grand-père? C'est la première question. Mais la deuxième, <laughs> deuxième chose, que je pense qu'il est vraiment, en parlant de scotch, on va faire un comme une espèce de petite pause publicitaire de scotch, je trouve ça Le Beaumont 15, dans le fond, qui est euh, l'édition de Darkest Cask, qui était le maître, le grand maître distillaire, qui a, euh, il y a eu une, une des distilleries de Beaumont qui avait passé en feu et il avait retrouvé un, 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 un baril de whisky qui était intact, qui n'avait pas brûlé, mais justement, vu que la bâtisse avait passé en feu, il y avait une espèce de saveur très, très distinctive lorsqu'ils ont goûté au scotch qu'il y avait dans, cette, dans cette baril -là. ce baril-là. C'est ce qu'ils ont essayé de recréer dans leur édition 15e anniversaire. Qui goûte absolument pas comme le 18, il goûte pas comme le 12. C'est vraiment un produit à part, que sa teinte très très particulière. Entre le 15 puis le 18, c'est deux, deux scotch que j'apprécie énormément. Je, je trouve que le 15 a plus de personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui aime la personnalité. C'est la petite blonde straight qu'on a parlé tantôt avec vous. Mais le Beaumar Keynes, c'est comme une ride de... C'est comme quand tu sors vos monstre, à Ronde, puis tu sens le bois qui shake. Puis t'es comme, oh my God, qu'est-ce que je fais ici? Surtout moi, moi, moi c'est des souvenirs de quand j'étais petit. Peut-être qu'il y a l'adulte, ça serait une autre expérience. je C'est ah, peut-être <laughs> moins typique, mais tu regardes en haut de toi, il y a des grosses toiles y a des méga, genre, mille araignées au-dessus de ta tête puis t'as peur. T'es comme, oh my God, on est dans une grosse structure de bois. Tous les nouveaux manèges sont tous en en métal, c'est plus streamline. Mais là t'es dans le monstre. Mais c'est comme le caractère que t'as distinctif de cette expérience là, c'est le même type de caractère distinctif que t'as dans le beau C'est pas parce que tu as des araignées dedans, pas parce qu'il te fait peur, mais parce qu'il te marque la première fois que tu y goûtes. Là, Bowman 15. Allianzbar.com/slash Bowman 15. Je <laughs> vrai, j'ai pas bien pour ça. <rire> <rire> je pense que tu l'as, tu Tu dit, je pense, c'est pas de choisir nécessairement son, son coach. Euh, dire, ah lui, meilleur que lui, est, ça a aucun rapport. Je pense que c'est, euh, comme tu dis, le Bowman 15, il offre une expérience euh, très euh, hors du, hors du commun. Puis c'est, une expérience que tu vis quand tu le. a l'air tellement intense. Pas autant que ton histoire de monstre, euh, mais bah, tellement intense, dit de même mais Mais euh, tu sais, c'est comme une expérience, puis c'est c'est ça qui est le fun, puis c'est l'histoire qu'il en arrière. Parce que juste parce que tu viens de donner l'histoire en arrière, ben j'ai le goût d'aller m'acheter une bouteille de Beaumont 15, puis j'ai le goût plus de le boire que le Beaumont 18 en ce moment parce que tu m'as donné toute le backstory, puis je me dis dans ma tête, ça va être totalement insane de goûter à ça. It, it is. It is my friend. Mais... Portrait, je me permettrais d'ajouter qu'il est d'un beau brun égal. Ne connaissant pas du tout le scotch, c'est tout ce que je peux dire. C'est excellent, j'adore ça. Pour les, pour les gens à la maison qui, qui nous regardent, c'est un brun moyen et doux. Sico euh, 737. <laughs> T'as-tu le X code là-dessus euh, euh, C'est pour ça que je ne peux pas faire le placement de produit. J'ai moins la fibre naturelle d'Olivier pour ça. Ouais. Euh, mais garde, vois-tu quand tu me parles de code, j'ai l'air exactement de toi ah. en train avec <laughs> nous deux. Euh, c est, c est, c est, quand on parle ça. de techno quand on parle de marketing, on est comme Olivier quand il parle de, de scotch, fait que c'est parfait, c'est un beau trio euh, aujourd'hui. Euh, on était euh, où là, euh, les gars? Euh, Je ne sais pas. Euh, on était en train de parler de comment est-ce qu'on fait pour acheter des données et euh, comment, comment ça fonctionne? Comment est-ce que euh, comment est-ce que ces données-là se retrouvent dans les mains des grandes compagnies? Quelles sont les grandes compagnies qui vendent ces données-là? Deux premières questions. Parfait. L'acquisition de données va passer, euh, va passer presque exclusivement par les cellulaires. Donc, de nos jours, presque tout le monde, euh, on va, même il, il des personnes de plus en plus âgées, des fois des grands-parents et autres, vont avoir une tablette, un cellulaire avec eux. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on achète un cellulaire, par exemple, euh, Apple, ont mis, avec leur dernière mise à jour, ils l'ont mis très, très clair. Euh, ça, chapeau, il faut leur laisser. Là, ils ont fait un, un très bon travail. Des fois, Android, c'est un petit peu plus shady, mais quand on active un appareil, il y a une question. Que peut-être certains passent rapidement, mais à la fin, il va demander Est-ce que tu m'autorises à faire de la publicité basée sur ta géolocation? » Quelque chose du genre. Ça varie. Le, la traduction peut varier d'un appareil manufacturier à l'autre. Donc, quand les gens activent un appareil, ils vont devoir donner un certain consentement. Euh, à première des choses, à manifester leur intérêt, à donner leur, leur accord à être visé par ces publicités-là. Par la suite. Une fois qu'ils vont utiliser ou installer des applications qui ont un GPS, un des, des bons exemples au, au Québec, c'est Pelmorex. Pelmorex qui est MétéoMédia. MétéoMédia est un des fournisseurs de, de données parmi un million d'autres fournisseurs à travers le monde. Donc, à chaque fois qu'on ouvre l'application média ou euh, AccuWeather ou n'importe quelle euh, autre application de, de, de Météo, il va te demander est-ce que tu m'autorises à accéder à ta position GPS le but étant évidemment de te localiser pour te montrer la météo dans ton coin. Mais de facto, ces compagnies-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont prendre ta position où est-ce que tu es en ce moment avec ta précision, ton altitude, ta vitesse et autres, puis ils vont la vendre, ils vont prendre cette position-là, puis ils vont l'envoyer dans des banques d'échange. On peut voir ça un peu comme la bourse. La bourse, on peut acheter des actions, on peut acheter des bons de trésor, on peut acheter un paquet de trucs euh, euh, via les mécanismes boursiers. C'est un peu la même chose avec les positions. Il va y avoir des brokers. Donc, euh, par exemple, euh, l'application la, de météo en question va donner via un broker les données, va les amener à la bourse et va les mettre aux enchères. Puis là, il y a des gens qui vont pouvoir acheter de ces bunches de, de, ces bunch de positions-là qui ont été euh, rendues disponibles à la bourse mondiale. Puis, on va pouvoir enchérer puis acheter ces positions-là dans le but de faire de la publicité, de l'analyse et autres. Donc, jusqu'ici. Il n'y a que pas moyen de juste avoir sa température, sa, sa weather, sans <laughs> que nos données soient vendues. Ben, C'est si une rien. très bonne question. Si, normalement, si l'application de météo a bien fait ses devoirs, on va voir, il y a plusieurs layers. Mais normalement, si tu n'avais pas donné ton accord, tu avais dit euh, Je n'autorise pas à ce que tu prennes ma position GPS, ou je te laisse juste avoir accès sur le nouveau iOS 14, on peut dire Je te laisse accès à la position GPS, mais juste la ville, pas la, la position précise du GPS. Si on ne lui donne pas l'autorisation, à chaque fois qu'on ouvre l'application, il n'est pas supposé siphonner les données. C'est là qu'il y a une première ligne grise qu'on peut dire. Il y a beaucoup de fournisseurs euh, qui vont rouler des applications en background ou qui vont être capables, par toutes sortes de manières, de stratagèmes détourés, euh, surtout sur Android, être capable d'aller siphonner les, les positions. Ça, c'est quelque chose que nous-mêmes, de notre côté, puis beaucoup de joueurs dans l'industrie commencent à décrier. Parce que euh, si l'utilisateur n'est pas au courant que tu sais sa position, premièrement, ce n'est pas légal. Deuxièmement, ce n'est pas éthique et ce n'est pas correct. L'objectif, c'est vraiment de s'assurer que la personne, quand elle active son téléphone, elle te dit expressément « oui, je, te, je, je souhaiterais que tu aies accès à ma position ». Par la suite, quand elle utilise une application qui demande le GPS, normalement dans les conditions d'utilisateur, ou quand l'application va s'installer, ils doivent te le dire clairement. Dans l'application de météo, c'est sûr, bon, les, on va dire les petits contrats, les, 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 toute la, la licence que souvent les gens vont juste accepter et ne vont pas lire, mais ça doit être clairement indiqué je, je laisse les gens vendre ma position euh, lorsque je vais donner accès au GPS. Si tu refuses, si tu as, par exemple, euh, sur un Android, tu peux désactiver le GPS, tu peux dire, désactive-le, je ne veux pas avoir de, de GPS précis. Là, à ce moment-là, l'application ne peut pas y avoir parce que le système d'exploitation va la bloquer. Donc, il faut comprendre jusqu'à présent, il faut que les astres soient alignés. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un aille donner son consentement à l'activation de l'appareil. Il faut que la personne euh, aille le signal GPS qui est visible, qui est réceptif. Si on est dans un Costco, par exemple, c'est un bon exemple. Costco, des fois, vu que c'est une grosse boîte métallique, c'est plus difficile d'avoir un signal précis. Donc, il faut que la personne soit dans un endroit avec un bon signal GPS, qu'elle aille donner son accord, que les applications qu'elle utilise, qu'elle a installées sur son euh, appareil mobile, euh, elle aurait donné le droit de, 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 de le faire euh, avec la position GPS, puis qu'elle ait le droit des de reventes. Donc, jusqu'ici, c'est tous les consentements acqu pour acquérir les positions. Une fois que les positions... On va prendre euh, prenons un scénario, Olivier, ici... Si, euh, sur ton téléphone, tu avais dit Oui, moi, je souhaite être ciblé par la publicité, tu utilises une application de météo, tu lui as donné le droit de prendre tes données de, on va dire, GPS Par la suite, ça va être mis aux enchères dans des banques, dans des bourses mondiales. Euh, les bourses mondiales, il y en a plusieurs. Le, le, D'être capable d'aller rejoindre ces bourses-là ou ces brokers-là privés ou autres, euh, c'est beaucoup d'un travail de moine. C'est de toutes les répertoriés. Ça dépend de ta localisation. de ta location. Au Canada, on a plusieurs joueurs, plusieurs agrégateurs, donc des gens qui achètent de plusieurs bourses qui te revendent ça. Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que cette bourse-là est destinée vraiment aux gens comme nous euh, qui font de la MarTech, c'est-à-dire qui font de la technologie, qui font une plateforme. Donc, la bourse sert aux gens comme nous qui veulent acheter les positions GPS ou à toute compagnie qui a des utilités là-dedans. Ça peut être des fois pour, euh, les, on va dire, le militaire, ça peut être des fois pour les gouvernements, ça peut être des fois pour euh, des fins de statistiques. Euh, par des films de sondage, des trucs de genre. Donc, il y a toutes sortes de gens qui sont intéressés par votre position GPS. Si vous donnez l'accord, si vous dites oui, je suis d'accord, je veux que ça, je veux que, ça, ça que, que les gens puissent acheter cette position-là, nous, on va acheter votre position. En temps réel, euh, minus quelques secondes, quelques minutes. Par la suite, on va être capable de, vous, de décider si on doit vous afficher une publicité ou non. Puis et là, est là l'enjeu. C'est que quand on achète des positions, ben on ne peut pas à la bourse ou du moins ça, ça commence à arriver, mais c'est un peu plus touché. On ne peut pas dire je veux acheter juste les positions d'Olivier. Parce que les, les données que l'application envoie sont tout à fait, euh, on va dire, anonymes. Et surtout, on ne peut pas juste acheter ceux d'une personne. Il faut acheter tout le bloc. C'est un peu comme si, mettons, l'application de météo, ben, on achète tout son bloc de positions une fois par jour. Là, il y a fois 1000, 1000, 10 000, 20 applications qui font ça. Donc, on se retrouve avec un très, très gros volume de données. Qui est anonymisé. Puis quand je veux dire anonymisé, c'est que chaque cellulaire a un numéro au hasard, un identifiant publicitaire ou un device ID qu'on va appeler dans le jargon. Le device ID il est propre à chaque appareil, puis il va se resetter dans le temps. Apple, ça va varier, c'est environ une trentaine de jours. Sur Android, ça dépend des manufacturiers. Samsung, c'est une trentaine de jours, euh, Huawei et compagnie, c'est un petit peu plus long. Le fait qu'il se reset pour être sûr que quelqu'un ne target pas trop longtemps. Pour être sûr qu'on ne peut pas remonter, comme on disait, tantôt à 30 ans dans le passé, on n'avait pas de savoir l'historique de déplacement d'une personne. C'est ça. Le but, c'est d'avoir une lecture éphémère, anonyme. Donc, quand nous, ton application météo enverrait tes données, elle va dire tel device ID, donc tel numéro au hasard de, de, qui a été attribué au cellulaire d'Olivier je l'ai vu à telle position, telle vitesse, à tel endroit. Elle l'envoie à la Banque mondiale. Nous, on doit acheter toutes les données de la Banque mondiale. Donc, on monte des très, très grosses. Base de données, puis on doit trier, puis voir lesquelles qu'on va annoncer selon les campagnes qui sont en train de rouler. Si on a un paquet de, de fournisseurs, de, de, de partenaires d'affaires, de, de technologies et autres. Comme vous comprendrez, c'est du big data, c'est beaucoup de, de données à trier. Ça, c'est notre poutine à, à l'interne, c'est ça qui nous fait triper, puis qu sur quoi on travaille beaucoup là, pour, pour s'en aller. Puis Une fois qu'on arrive à, à quelqu'un qui est allant quelque part, puis qu'on a son numéro d'appareil, qu'est-ce qui est illégal, puis qui est super aussi important, c'est qu'on garde toujours ce numéro-là. Au hasard. Donc, on n'est on pas capable, on ne va pas attri attribuer de nom. On ne va pas dire ça, c'est Olivier Lambert. On ne va pas dire euh, c'est ça son numéro de téléphone. C'est ça son adresse personnelle. Euh, on ne va pas dire non plus c'est ça son adresse courriel. L'adresse personnelle des gens, vous êtes quand même capable la savoir si vous achetez les données des gens. On est capable de dire ces personnes-là. Donc, on a un lot de données qui doit être supérieur à une certaine quantité de données pour être sûr qu'on ne pas pinpoint une personne. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas cibler une maison. Dire cible cette personne-là. Parce que là, on serait capable d'identifier la personne qu'on cible. Donc, à partir des données, il faut qu'on ait un jeu de données suffisant pour ne pas être capable d'identifier les personnes. Donc, déjà, les données sont anonymisées, mais si on, on ciblerait un seul lieu et qu'on aurait une conversion, on serait capable de, dire, de mettre un nom. Donc, nous, faut que, en tout temps, on travaille très, très fort pour ne pas que les gens puissent mettre de nom, de courriels, de mettre. Mais, mais vous, de votre côté, lorsque vous achetez les données, vous seriez capable de. Euh, passer un algorithme qui regarde bon, ben, où est-ce que les gens passent 80 de leur temps, puis de donner une adresse à chacun des points de contact que vous avez acheté sur l'exchange, right? Ça, ça peut être une. Des, il y a des fournisseurs québécois, des fournisseurs canadiens qui font ça. C'est quelque chose qui est en train d'être observé. L'important, c'est de s'assurer d'être capable de donner un certain radius qui habite, mais pas un numéro civil. Donc, l'astuce, si jamais, par exemple, on voudrait, nous, de notre côté, on voudrait faire des algorithmes pour trouver les gens à Beto, il faudrait que ce soit un code postal. Avec trois ou six chiffres, mais pas une adresse. On pourrait pas dire il y a Mais mettons que vous êtes méchant. Mettons qu'il quelqu'un qui est méchant, qui veut faire ça. Est-ce que ça se ferait? Moi, je pour dire quand quelqu'un. Tout le monde peut parvenir à ça. Ça dépend toujours, c'est quoi ton objectif? ça se ferait. Y a, <laughs> à partir des données, c'est difficile parce qu'ils ont déjà été anonymisés. À partir des devices ID, on ne se le cachera pas. Il y a une bonne utilité de ces données-là qui est pour euh, le, le militaire, qui est pour des fins, on va dire, plus. Euh, gouvernemental et autres. qu'est-ce qu'ils font de leur côté on ne le sait pas c'est pas notre c'est probablement que, que le gouvernement le fait oh. <laughs> c'est là qu'on s'en vient en fait we come full full circle on a parlé du great reset là, maintenant maintenant le gouvernement il track tous nos mouvements en achetant ces données mais est-ce que c'est je ne savais pas que le gouvernement achetait sur ces exchanges là est-ce que c'est comme connu est-ce que c est comme est-ce que c'est normal est-ce que c'est ah, le gouvernement, des données. Souvent, les, les branches gouvernementales ou Canada, je ne pourrais pas me prononcer. Je, je, on n'a pas accès à ces données-là, on ne fait pas de politique. D'ailleurs, c'est une petite, petite parenthèse, dans, dans la plateforme, dans le monde géomarketing, il y a des industries finalement qu'on finit par décider de ne pas toucher ou autre. Puis nous, tout ce qui est politique, tout ce qui est influenceur, on ne touche pas à ça. Et le géomarketing a déjà été utilisé par Donald Trump en, en 2016, mm -hmm. en fait, euh, à profusion et même dans la campagne qui vient de se terminer pour cibler des électeurs. Donc aux États-Unis, oui, le gouvernement, puis surtout des, organi des organismes, on va dire, euh, de statistiques ou autres, d'analyse de foule et autres, euh, vont des fois aller acheter des données à ces banques-là. Il y a même des, des grosses entreprises, des fois des, des gros cabinets comptables mondiaux et autres, qui veulent faire des études de marché, euh, qui vont aller acheter des blocs de données pour voir où les consommateurs vont, etc. Mais on parle de très, très, très gros brands, des multinationales, des, euh, des brands à travers plusieurs, plusieurs pays qui vont faire ça. Au niveau des, des gouvernements, ce sont des fins de statistiques et autres. Est-ce que les services secrets et autres en achètent On ne achète? sait pas. C est, c est, ça fait partie de, de, de leur secrets, eux seuls euh, savent. Moi, je ne pas trop. Je pense qu'il y a d'autres voies d'accès à vos données que de par des bourses mondiales. Ils doivent avoir déjà d'autres trackers et d'autres euh, manières. <laughs> Moi, je ne pas. Ils savent déjà. Inquiétez-vous pas, guys. <laughs> Vous êtes déjà suivis. <rire> <rire> Mais, du côté marketing. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est que les gens aillent donner le consentement, un peu comme un courriel. Euh, la loi sur le spam, qui est une très bonne loi, dit tu ne peux pas écrire à quelqu'un, tu ne peux pas agacer quelqu'un, tu ne peux pas écrire, on va le dire en bon québécois, tu ne peux pas écœurer quelqu'un par courriel. Si tu n'as pas donné son consentement, faut il faut qu'il t'aille donner l'autorisation. On essaie de faire un peu la même chose avec le géomarketing, de dire, pour que quelqu'un soit ciblé, qu'on ait accès à sa position, il faut que, un, on lui garantisse l'anonymat. Donc, on n'essaye pas de reverse engineer et de faire toutes sortes d'entours-là pour trouver ses qui. On garde ça anonyme. Il nous a donné son consentement. Et surtout, la dernière chose, un peu comme un courriel, à chaque fois qu'on affiche une publicité, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans une publicité, il y a un petit triangle bleu en haut à droite. Euh, vous pourrez aller voir là, sur des sites, là, une bannière, vous voyez le, le petit triangle bleu en haut à droite. Euh, c'est Ad Choice, Trusty et d'autres compagnies. Eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils s'assurent que le consentement, donc nous, le consentement qu a, que les gens ont donné, c'est eux qui vont vérifier ça, vont dire, ben oui, il avait bien donné le consentement, les données à la bourse sont valides. Puis, par la suite, à chaque fois qu'on fait un affichage publicitaire, quand les gens voient la publicité, ils peuvent cliquer sur le triangle bleu. Là, ça va tout l'expliquer clairement. Ça veut dire Propulso Géo. Vous a affiché cette publicité-là pour tel client euh, euh, via votre position GPS obtenue de telle manière puisque vous avez donné votre consentement. Ça veut dire en savoir plus ou retirer mon consentement. À partir du moment que vous décidez de retirer votre consentement, à, à choice Rossi et compagnie vont vous mettre sur une liste qui est bloquée pour plus qu'on puisse vous afficher pour la suite. Donc, mmh. C'est vraiment de dire, on obtient le consentement exprès de la personne. On s'assure de garder ça de manière complètement anonyme, donc uniquement basé sur des devises, sur des séries de zéros, de 1, de chiffres et autres. Puis par la suite, il euh, y a des third parties qui viennent vérifier ça. Puis que quand on affiche une publicité, un peu comme quand on reçoit un courriel, on peut se désabonner si on a donné notre consentement pour ensuite le retirer. C'est la même chose avec le, le géomarketing. Puis ce triangle-là, plus le fait qu'on se donne le droit des fois de réserver... De, refuser certaines campagnes, donc tout ce qui est politique, médical et compagnie. Ce n'est pas notre temps de te Nous autres, on ne veut pas embarquer dans cette game-là. Puis également, il euh, y a beaucoup de lieux qu'on ne peut pas cibler. Tout ce qui est école primaire, euh, des, parce que de, les jeunes de nos jours en appareil de plus en plus tôt. Euh, donc, nous, on s'assure que toutes les personnes qu'on vise ont l'âge légal d'être visées, puis que ce ne pas des enfants ou des, des, des personnes qui ne devraient pas être visées. Fait que tout ça combiné ensemble, c'est tous les efforts qu'on met en place parce que oui, de prime abord, c'est une technologie qui semble intrusive, mais on veut qu'elle reste là longtemps. On veut que les gens, on veut la démocratiser, on veut qu'ils la comprennent, qu'ils n'en aient plus peur, puis qu'ils donnent leur accord ou non, qu'ils aient le libre choix, le libre arbitre de dire Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est pertinent, ça m'intéresse d'être ciblé ou non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse pas, je ne souhaite pas être ciblé. Puis nous, l'avantage, le gain qu'on en retire, un peu comme les ad-blocks c'est Quand les gens ont ad adblocks, c'est des gens qui cliquent de toute manière à pas sur les publicités, qui brûlent ton budget publicitaire, qui sont pas. Qui, sont Pas réceptifs à la publicité. Donc, ça, c'est une merveille, AdBlock. Ça permet de filtrer out ce trafic-là puis de ne pas payer pour rien, on peut dire comme ça. Mais nous, le, les gens qui nous donnent toutes ces panoplies d'accords-là qui souhaitent rester opt-in dans le système, c'est des consommateurs engagés. La raison pourquoi on a des coûts par acquisition qui sont très, très intéressants, c'est qu'on n'écart pas les gens. On va leur montrer une publicité au bon moment, à une bonne fréquence, à quelqu'un qui souhaite l'avoir. Donc, on ne va pas capter 100 des gens chez ton compétiteur on va aller capter un certain pourcentage, puis ce genre, ces gens-là, on sait que c'est le pourcentage qui est le plus influençable ou qui, le plus, qui est le plus réceptif à ton message. Ça, c'est beaucoup imbriqué dans notre philosophie. C'est comme ça qu'on finit par avoir des coûts par acquisition qui sont aussi agressifs comparé à beaucoup de, de services qu'on a testés, des compétiteurs, de compétiteurs. On, on a vu des, des vertes et des pommeux dans l'industrie. On a vu beaucoup, beaucoup de fournisseurs puis comment, après trois ans, de réussi à arriver avec des coûts aussi intéressants. C'est vraiment avec la qualité du, de, du réseau qu'on va garder, puis des gens avec qui on va annoncer. Mais malgré tout, c'est quand même une bonne proportion des consommateurs. Euh, si vous êtes curieux, souvent les gens se disent, Ah, mais c'est quoi à peu près le pourcentage des gens qui ont accepté ça qu'on peut viser? Euh, ça va tourner aux alentours de 15% au Québec pour au Canada. Donc, il y a environ 15% de la population qui nous a dit, oui, c'est beau, moi je souhaite viser par des publicités comme ça, j'embarque là-dedans, je veux voir ça, euh, puis qui envoie au jour le jour, qui ne se désabonne pas. Donc, c'est environ 15% de la population canadienne. Ça fluctue c'est euh, ces temps-ci ben là comme les gens se déplacent beaucoup pour les fêtes même s'ils sont pas se poser malgré la, la pandémie <laughs> euh, des fois peut-être qu'on va être plus à un 16 17 euh, des fois quand on va avoir euh, attends le confinement ben évidemment c'est un peu moins dans le, aussi avec la, la mise à jour d'iOS 14 au début euh, on avait peur que ça réduise le nombre de consentements mais ça l'a juste mis plus clair il y a des gens qui ont décidé d'opter donc règles, on va dire règle générale ça nous a plutôt euh, fait augmenter notre user base, contrairement à ce que beaucoup euh, pourraient croire. Donc, on, nous, c'est la preuve qu'il y a une demande pour ça, que les gens sont intéressés à opt-in à, opt à des, des services comme ça. Puis ce 15 %-là, c'est des gens qui comprennent souvent la technologie, qui sont des consommateurs engagés. Donc, ce n'est pas des enfants de on va dire 16 ans et moins, puis ce n'est pas des personnes très âgées. Donc, dans les consommateurs actifs, c'est 15, pour, euh, 15 de la population, mais c'est un petit peu plus dans les consommateurs. Parce que qui, qui va dans des magasins et qui a le pouvoir d'achat, ce n'est pas évidemment les enfants, ce n'est pas les personnes trop ou plus âgées ou qui sont des fois en perte d'autonomie. C'est vraiment les consommateurs qui sont dans cette tranche-là. Donc, grosso modo, on voit que même dans les magasins, des fois, selon les lieux, on se rapproche plus d'un 30 des gens qu'on peut viser et qu'on peut capter. Ça varie énormément. Si on vise une boutique euh, en bosse, ben, peut-être qu'on va avoir plus proche d'un. 16, 17, 18 parce qu'il y a moins de, de réseaux GPS, de réseaux 4G, LTE, 5G maintenant. Euh, quand on est dans, dans le temps de New York, bien évidemment, la technologie fonctionne de manière un petit peu plus précise. Euh, il y a des pays que ça varie. Euh, par exemple, en Australie, on a un bon taux, de, 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 un meilleur taux qu'au Canada, en Grande-Bretagne aussi. Aux États-Unis, c'est plus 30 et non 15 des gens qui ont donné leur accord. Donc, ça varie d'une localité à l'autre, mais au Québec, pour ce qui nous intéresse dans notre marché local, c'est environ 15 des gens qu'on peut cibler. C'est quand même beaucoup d'informations que tu viens de nous euh, C'était le appel. monologue légal que nos avocats voulaient qu'on qu qu résume. Dans non, mais, <laughs> mais, mais de ce que je vois, là, de ce que je comprends de tout ça, euh, c'est que si, si tu es une entreprise de marketing qui veut faire de la publicité, euh, c'est réglementé, euh, puis l'idée c'est d'utiliser ces données-là de bonne foi, tout le monde essaie de jouer euh, justement là, de façon « fair », il y a des institutions qui existent pour faire en sorte que tu harcèles pas quelqu'un avec une publicité que cette personne-là ne peut pas ne veut pas voir. Mais en même temps, moi, je pense à toutes les autres. Parce que tu l'achat de données, c'est pas quelque chose qui est récent. Ce n'est pas juste à cause des GPS que maintenant, oh, on est capable de savoir le monde sont où? Euh, historiquement, tu as les cartes de crédit, que tu as l'historique d'achat que tu as fait avec de, ta carte de crédit, qui peut-être que ces compagnies-là vendent justement ces données-là. Les cartes de fidélité qui aussi, ça sert à quoi? Les cartes de fidélité? Ça sert à associer un client ID à un individu pour savoir qu'est-ce qu'il a acheté, combien de temps ça fait qu'il est client ici, euh, c'est quoi son panier moyen, quand il revient, etc., pour être capable de faire des décisions marketing qui sont inf influencées par justement les données, puis qui sont avisées par les données. Mais en même temps, parce qu'il n'y a, a pas juste le marketing dans la vie. Il y a aussi toute la question politique. Vous avez fait le choix de ne pas, de, de pas participer à ce marché-là, mais il y a un marché, justement, de l'influence, d'essayer de convaincre les gens qui. Bon, typiquement, tu as, euh, as l'adresse des gens qui sont enregistrés républicains et qui sont enregistrés démocrates aux États-Unis. Puis, justement, les banques ont accès à des listes de salaires puis de valeurs nettes par foyer. Uh, Faxi, ça fait en sorte que bon, mais les banques pourraient acheter potentiellement ces données-là, aller chercher le ad-ID de la personne, savoir combien elle a de l'argent dans, dans, dans son compte, dans son portefeuille, uh, savoir c'est quoi son affiliation politique. Puis, je veux dire, pour la personne qui veut vendre des sneakers sur Internet, là, puis euh, des, des écouteurs, puis tout, moi, je ne vois aucun, aucunement c'est quoi le, le problème éthique là-dedans. cibler les gens qui veulent avoir des annonces d'écouteurs. Mais. Le monde qui veut pas vendre des écouteurs, qui sont peut-être en Russie ou en Chine, ou euh, en Iran? Who knows? Who knows? Ou ce qu'ils sont? Le monde qui veut le faire. Je ne sais pas qu ce qu'ils veulent faire. C'est ça la question. Euh, je trouve ça. ça c'est un peu inquiétant. Mais en même temps, tu d'un point de vue, c'est comme... On ne peut pas vraiment empêcher ça parce que tu sais, personnellement, je veux avoir des bonnes pubs. Je ne veux pas avoir des pubs de merde. Fait que je donne tout le temps mon consentement. Puis je pense que c'est correct aussi de donner son consentement. Mais je pense que l'enjeu le, éthique n'est pas au niveau de est-ce qu'on peut prendre tes données ou on ne peut pas prendre tes données. L'enjeu éthique, je pense que à qui est-ce qu'on vend tes données? Je pense que c'est un, un très bon point que tu apportes. Si nous, on a décidé de dresser une ligne, de dire on focus sur le marketing. On n'est pas dans la game politique. Il y a beaucoup de, ces, de, de, de plateformes de placement ou autres qui permettent des publicités politiques jusqu'à un certain égard. et L'avantage qu'on a, c'est qu'au Québec, euh, on a des projets de loi qui sont en cours, là, que l'Assemblée nationale est en train de travailler, qui sont très, très clairs sur comment que les données peuvent être utilisées, de quelle manière il faut avoir un consentement, euh, comment on ne pas ces données-là, comment on les protège. Au Canada, au, au Québec, on est quand même bien protégé. Somme tout, il n'y a pas beaucoup où on va dire très peu de publicité, de géomarketing politique. Il y en a un petit peu, mais c'est de plus en plus contrôlé. Puis, je, sincèrement, je pense que le, les gouvernements ont fait leur devoir. Euh, les lois sur les données sont claires, sont bien établies. On est dans, dans les chanceux. On va dire un peu comme en Suède, en Finlande des compagnie, ou en Europe, euh, avec le GPDR et autres, c'est quand même bien. Aux États-Unis, c'était un peu plus problématique en 2016. Euh, quand il y a eu la campagne de Donald Trump, là, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens externes. Euh, qui ont utilisé ces documenté Nous, on ne l'a pas vécu, on n'était pas, pas. Facebook pas... les grands coupables, là. <rire> euh, <rire> mais il y, y a eu beaucoup de, de, de publicités qui ont été roulées euh, dans le but d'influencer les, les électeurs et autres. Puis, ça, c'est quelque chose qui, tranquillement, pas vite est en train d'être cogé. Aux États-Unis, ils ont passé des billes de loi, sont en train de travailler là-dessus. Même on voit les. On, on a des, Parmi les panoplies de fournisseurs qu'on a, on est aux États-Unis, on a un peu partout dans le monde, mais les fournisseurs américains sont de plus en plus frileux à rouler des campagnes politiques. L'industrie, au début, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau, qui est disruptive, qui vient d'être créé. C'est un peu le Far West. Mm -hmm. Tranquillement, pas vite, c'est en train d'être régi, d'être réglementé, parce que mm -hmm. les gens comme nous qui investissent du temps, qui investissent de la passion à monter quelque chose, un produit de valeur, à générer de la valeur, on n'est pas là pour prendre des raccourcis et faire des, 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 des entourloupes croches dans le but de, que l'industrie meure dans un an, que ce soit régi, que ce soit complètement fermé. Nous, on est plutôt on prend plutôt l'idée de dire… Faisons le tout de manière transparente, chose qui n'existait pas avant, ce n'était pas clair que ça existait, comment ça fonctionnait. C'est ça qu'on essaye de faire dans les prochains mois d'éduquer les gens sur, oui, la technologie existe, tu peux l'utiliser, c'est profitable de l'utiliser, mais également les consommateurs à quoi t'attendre, comment tu peux opt-in, comment tu peux opt, comment, tu peux opt comment ça fonctionne. Puis, oui, tu as soulevé un bon point l'utilisation qu'on en fait en bout de ligne. Euh, C'est ça qui peut être plus pro problématique, puisque les mécanismes d'acquérir les données ont déjà été régis, réglementés. C'est quand même somme tout bien contrôlé. C'est sûr que quelqu'un qui veut mal l'utiliser, ça ne sera pas sur notre plateforme. On a fait nos devoirs. Au Canada, je pense que les, 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 nos compétiteurs et autres amis ont fait leurs devoirs. Aux États-Unis, ça s'en vient. Ils vont les faire euh, peut-être plus avec le changement de l'administration, mais ils, vont, ils sont en train de le faire. Mais tranquillement, pas vite, on voit un, un shifting de mood, de dire. OK, c'est une technologie et plus nouvelle, c'est établi depuis quelques années, ça commence à être réputé, c'est quelque chose qui est en train de se standardiser, il y a des normes qui sont en train d'être écrites. Je parlais tantôt de l'IAB, par exemple, qui, a, qui en a parlé dernièrement, Ad Choice, Trusty, compagnie. Tous ces gros joueurs-là, ces paquebots-là de la vie privée qui font le do not sell my data et autres, sont en train de se mettre le nez là-dedans, c'est une bonne chose. Plus on va en parler, plus les gens vont être au courant, puis plus surtout on va être capable de lever le voile. Que si quelqu'un voit une pub politique ou voit une pub qui essaie de l'influencer négativement, autre que pour acheter une paire de sneakers ou visiter un magasin, elle va être capable, de, avec la, le, le triangle bleu, de voir c'est qui qui a payé cette pub-là, pour quelle raison, un peu qu'est-ce que Facebook a fait. Je pense là. que le fait de pouvoir voir qui a acheté la pub, je pense que ça, c'est un gros enjeu. Justement, parce que je veux dire, je me mets dans, 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 dans le pot de quelqu'un que je sais, je sais pas, moi, je suis, euh, je suis un démocrate aux États-Unis, puis là, je me fais cibler par une pub euh, qui, est, qui est sneaky. Les pubs sont sneaky. Il y a des pubs sneaky. Ça dépend des sites, ça dépend des ad exchanges. Il, il y a des ad exchanges que les pubs sont vraiment sneaky. Si ton site commence par un X, les pubs sont sneaky. Et dans le temps sur Facebook, quand il n'y avait pas toutes les règles, maintenant avoir une pub qui marche sur Facebook, c'est tough parce qu'elle se fait tout le temps comme refuser pour une raison conne. Genre un robot qui a mal lu ta pub pense que tu fais X, c'est comme 90% du temps que tu te fais refuser une pub sur Facebook, ça n'a pas rapport. Euh, mais à la base sur Facebook, les pubs t'es sneaky, tu sais, tu fais des articles, même, même principe sur euh, Google, lorsque tu fais des, des campagnes ou ce que tu vas créer du contenu sur un site que tu as créé, qui veut être un site d'autorité, qui est un genre de fake journal, où ce que tu copies colle un peu l'interface du Washington Post ou du Times, puis là tu fais un genre de site web où ce que tu as genre as 15 articles dessus. La personne ne va pas aller regarder voir si as comme vraiment 15 articles, mais t'as juste 15 articles dessus, puis t'as de l'air d'avoir plein d'articles, mais t'en as pas. Euh, ou tu vas vendre des suppléments, tu vas vendre n'importe quelle connerie, tu sais, des fat burning pills, miracles, que voyons, voir que j'avais jamais entendu parler de tout ça. avant. J'ai été chez mon médecin pendant 10 ans pour perdre du poids, puis j'ai jamais entendu parler de tout ça. Sauf que là, il y a tel docteur qui est vraiment crédible que quand tu cliques sur le lien pour le docteur, il y a un autre site fake qui explique ce docteur-là. À quel point il est donc bien génial. Puis, tu sais, tu peux, il y a, tu as comme différents layers de fake sites sur lesquels tu peux te rendre pour essayer de te convaincre qu'une nouvelle affaire qui est complètement euh, géniale, tu sais, pour être capable de te vendre ce produit-là. Mais d'être capable de voir justement qui essaie de te vendre cette pub-là, puis qui est-ce qui est derrière cette campagne marketing-là, je pense que c'est un bon moyen de défense. En tout cas, pour les gens qui sont un petit peu sceptiques, il y a des gens qui sont plus euh, gullible, qui sont plus faciles à convaincre, mais d'avoir accès à qui a acheté cette pub-là. Euh, effectivement, c'est vraiment pratique. Mais ce n'est pas mis de l'avant à Choice. Je ne savais même pas qu'on pouvait savoir qui achetait les pubs. Ça dépend beaucoup des exchanges. Souvent, sur le Google Ad Network, il va ouvrir une page de Google, puis là, tu vas voir un peu plus de détails Puis souvent, il va dire, il ne dit pas tout le temps le nom du advertiser. Ça dépend de ses choix de campagne, etc., etc. Mmh. Euh, fait que ça va varier beaucoup d'un exchange à l'autre. Nous autres, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler beaucoup. C'est quelque chose qu'on est en train de refactor au moment qu'on se parle. De cette semaine, on est en train de travailler sur nos ad au niveau de la, de la tech pour essayer de rendre encore plus transparent les comment que les gens sont. c'est la, la meilleure carte qu'on peut jouer, c'est qu'on a une belle technologie qui est assez innovante, quelque chose de vraiment quand même unique, puis on a la chance que c'est fait au Québec. Et on veut bien jouer nos cartes, puis on ne veut pas répéter les... Les erreurs de Facebook. On peut dire ainsi, avec tous les déboires de Cambridge Analytica et autres, où est -ce que c'était super shady, opaque, les gens n'étaient pas au courant, il y a eu des scandales de reliés à ça. Nous, on veut complètement être à l'opposé. On veut se positionner comme un joueur qui est transparent, qui est ouvert. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a, a pas de secret. On l'explique clairement. Euh, Ce n'est pas tous les providers. En fait, il y a beaucoup de providers de geomarketing qui n'aiment pas ça, quand on explique tous les rouages, la bourse, de comment. On fait le device uh, matching. On... Il y a d'autres étapes après le, le fait qu'on a acheté des données. Mm -hmm. Puis une autres, c'est quelque chose qu'on aime expliquer. Tantôt, tu parlais de, de données de carte de crédit et autres, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on essaie d'éduquer de plus en plus démystifier pour pas qu'il y ait de zone grise. Pour que les gens puissent vraiment avoir une, un picture qui est clair. Parce que nous, ça nous a pris trois ans à avoir <laughs> ce, ce picture claire-là, puis être capable de dire c'est qui les joueurs en place, c'est qui qui fait quoi, c'est quoi le rôle de chacun. Ça a tellement été compliqué avant d'avoir une bonne, une bonne photo visible. On essaie de, 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 de lever le voile là-dessus parce que c'est une belle techno. Les mécanismes sont en place. C'est juste que, comme tu as dit, il faut, euh, faut s'assurer que les, les gens qui achètent la publicité le font pour les bonnes raisons. Oui. Euh, justement, parlant de, de c'est qui les joueurs qui sont en place, j'aimerais ça peut-être que tu name drop peut-être quatre, cinq endroits euh, où ce que justement c'est des exchanges ou ce qui vendent les données des gens pour que les gens puissent faire leur propre recherche Google. Aller regarder c'est quoi justement euh, les sites web de ces entreprises-là, c'est quoi leur message, comment est-ce qu'ils marketent leur offre. Euh, As-tu des exemples à partager? plaisir. Je te dirais, euh, dans les plus connus qu'il qu va avoir sur le marché, euh, LiveRamp, c'est une bonne compagnie. Elle est aux États-Unis. Ils sont même à la bourse. C'est un joueur qui a eu une bonne montée dernièrement. Euh, si vous avez acheté des actions de LiveRamp, vous devriez aller les, I'm on it. les consulter. <laughs> euh, LiveRamp, cette compagnie-là, euh, va avoir beaucoup de données euh, du type euh, mettons démographique, euh, behavioral et autres. Donc ça c'est un des fournisseurs qui est quand même intéressant aux États-Unis. Euh, il va avoir euh, également Adobe. Euh, Adobe euh, qui, qui fait Photoshop là, on le connaît tous ouais. là, pour Photoshop et autres. Adobe euh, aussi a des exchanges publicitaires Ils ont des données quand même assez intéressantes euh, au niveau euh, mettons euh, encore une fois démographique, habitude d'achat. Euh, il va avoir Bluekai également. Bluekai je crois a été racheté par Oracle je ne me trompe pas. Euh, Kai, c'est une plateforme, entre autres, où on peut acheter des données de carte de crédit. C'est Tantôt, tu parlais euh, pour, pour ceux qui ne le sachent pas, qui ne savent pas, pardon. Je euh, viens d'acheter 10 stocks de LiveRamp. <laughs> <laughs> oh, je vois que tu utilises Wealthsample. Sample. Oui, c'est quand, quand même intéressant. Leur stock a, a, mm -hmm. a baissé. Il va falloir que je fasse mes due diligence sur pourquoi est-ce que ça a droppé mm -hmm. comme ça. Là. Mais ils ont un, beaucoup de volatilité dans leur, dans leur truc. Euh, Bref, je te laisse continuer. Excuse-moi, j'ai été emballé là, par l'opportunité de, de, de faire. Ah, c'est euh... parfait. L'univers à commission 24h ouverte. fait que c'est correct. <rire> <rire> Mais euh, c'est ça, Blue Kai, euh, comme on mentionnait. Les données de cartes de crédit, souvent, il y a beaucoup de cartes de crédit à point. T'sais, on en parlait tantôt, Gabriel Poumont, les fameuses cartes de crédit à point, ceux qui donnent euh, quasiment un 10 cashback là, au Black Friday cette année. Oui. Font pas ça pour vos beaux yeux. Pas ça. Ils vont pas vous redonner un 10 cashback puis siphonner à mort le, le marchand. Une des raisons principales, c'est qu'ils sont capables, quand vous acceptez, que vous avez théoriquement lu les contrôles. Puis au niveau de l'univers des cartes de crédit, j'ai l'impression que c'est peut-être pas encore assez clair comme sur un téléphone quand tu vois une pub et mais au niveau des cartes de crédit, tu peux avoir toute l'historique d'achat de quelqu'un, encore une fois anonymisé. Donc, on peut avoir un profil, un device ID ou un, 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 un advertising ID, pardon. Celui-Gabriel, on va être capable de dire ah, lui, il a acheté une télé. C'est peut-être le bon moment d'y pousser un système de son. Ça, c'est, euh, entre autres, Kai et autres Adobe, c'est des fournisseurs qui vendent ça. Puis souvent, comment ils fonctionnent ces joueurs-là? C'est que dans l'univers de la programmatique, ça vous prend un disons que vous l'achetez acheter de la pub sur Radio-Canada, vous voulez acheter de la pub sur tout.tv, sur, euh, sur YouTube ou mettre une bannière, vous devez passer par des enchères en temps réel. Qu'est-ce que tu parlais tantôt au CPM? Donc là, les, les DSP qui sont les logiciels qui permettent de faire de la RTB. RTB, c'est du real-time bidding. Un DSP, c'est Domain Side Platform. C'est les, euh, les, les mots-clés acronymes de, de ce jour. Euh, jouer ça au Scrabble, c'est payant. Mais euh, les, les DSP, dans le fond, c'est une plateforme un peu comme la nôtre qui vous permet de faire du placement publicitaire. Donc, euh, un des DSP connus, c'est Google, euh, Google Ads, par exemple, là, entre autres avec le Campaign Manager Real. Donc, tu vas sur Google Ads ou sur notre plateforme, tu mets un budget, tu choisis des, des ciblages et autres. Puis, Google, en arrière, va acheter des données, par exemple, euh, je ne sais pas dans le cas de Google s'ils achètent à LiveRamp, mais nous, dans notre cas, on va être capable d'acheter. Google des... les a déjà. Ils les ont peut-être <laughs> déjà, mais dans notre cas, on achète des données à BlueKyle, euh, LiveRamp, et un paquet d'autres fournisseurs comme ça. Puis ces gens-là, euh, ils vont vendre toutes sortes de données qu'on peut croiser. Donc des fois, c'est des données géographiques, euh, des fois, c'est des données de carte de crédit. Nous, de notre côté, on s'est beaucoup focusé sur les données géographiques parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, mais on fait euh, des ciblages avancés. Donc, ça arrive des fois, par exemple, on va dire ben, « cible les gens qui sont allés à tel endroit, puis qui ont acheté dernièrement une télévision ». Donc, des fois, on va croiser des données de carte de crédit, puis des données de, de géolocation. Le downside de ça, c'est qu'il y a quand même un coût, parce qu'à chaque fois que nous, on achète des données, plus on achète de données, plus ça coûte cher pour faire une impression. Comme BlueKai nous dit ben, « pour 1000 personnes, ça te coûte tant ». Euh, c'est au niveau des cartes de crédit. Un autre m'a dit que ça me coûte tant au niveau des données euh, GPS et autres. Quand on finit par additionner ça, un peu comme sur Facebook, plus tu es précis dans ton targeting, plus le CPM va coûter cher. Donc, nous, souvent, on a fait beaucoup de tests. En fait, on a fait des millions, des millions d'impressions de, de, de tests de benchmarking. On a réalisé que le GEO, c'est souvent good enough sans acheter d'autres données croisées. Fait qu'on essaie de ne pas être trop dans la game du croisement. Euh, Ce n'est pas vraiment notre temps de thé. On, on a les capacités, on serait capable d'acheter des données. Peut-être qu'un jour, on va changer d'idée et on, on va voir une, une, une niche qu'on n'a pas vue encore, mais pour l'instant, on focus beaucoup. Parce que juste le fait que quelqu'un, par exemple, aille chez Best Buy, qui ait acheté une télé ou autre, ben souvent, ça reste quelqu'un qui est quand même amateur d'électronique. Puis, comme tu as dit tantôt, ça l'augmente l'audience. Ça permet de trouver des localites, de trouver des, des gens qui sont des consommateurs semblables. C'est souvent juste le fait de se avec le lieu physique, c'est souvent good enough, donc on est mieux s'en tenir à ça. Mais si, si tu voulais faire une couple de name dropping, tout ce qu'on vient de nommer, BlueKai qui appartient maintenant à Oracle, euh, le réseau de data d'Adobe, LiveRamp, c'est des bons débuts. Quelqu'un qui voudrait acheter des données pour placer lui-même dans son DSP, disons que quelqu'un, tu une grosse agence marketing, tu as déjà ton propre outil de DSP avec Equity, euh, Google Ads ou autre, euh, ben, tu peux acheter des données. Soit c'est déjà intégré dans leur plateforme, un peu comme c'est intégré dans la note, puis tu peux juste faire des enchères puis acheter les données. Nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que... On a démocratisé ça un peu parce que ça devient souvent compliqué. Quand tu achètes ces données-là, c'est au CPM. Donc là, c'est aux 100, aux 1000 impressions ou des fois, c'est aux 1000 profils. Puis là, tu affiches combien de fois une personne. Puis il y a toutes sortes de règles de 3. Mm -hmm. Je ne sais pas pour toi, souvent les règles de 3, c'est loin pour certaines personnes. Donc, on a essayé de simplifier tout ça de notre côté. Puis quand quelqu'un fait du ciblage dans notre plateforme, ça te dit un peu comme sur Facebook, voici ton CPM, ça te le calcule en temps réel, puis tu es capable de voir ça, ça te revient à combien. Faut pas NPIC. Puis aller acheter ces données-là, parce qu'on ne se cachera pas pour acheter des données chez ces joueurs-là. Tu ne peux, euh, peux pas arriver avec 10$ dans tes poches puis acheter des données à partir du lendemain. Ça prend, ça prend un certain volume puis il y a un engagement. Pour vous donner une idée, il y a des fournisseurs, c'est 20 000 US par mois, d'autres c'est 10 000, d'autres c'est 5 000. C'est quand même assez onéreux euh, pour, pour avoir accès à cette bourse-là. Donc pour rentrer dans la cour des grands, ça prend des sous puis ça prend du volume pour être capable d'acheter ça auprès de vous autres. Aïe aïe. It's stuck, hein? Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Je m'attendais à ça, mais je ne m'attendais pas à ça. Puis, Si tu es curieux, là, on, tant qu'à parler de CPM, de coût, les gens souvent disent « Combien ça coûte du jour marketing? » C'est une question valide de dire… Comment ça coûte… J'ai une question pour toi. Oui, je t'écoute. Comment ça coûte du jour au marketing? Tu as été silencieux un peu. Là, et, ah, il, ben, écoute... Dans son coin, bousse en son scotch. Euh, Recolle-toi un petit peu. je vais me recoller un peu. Euh, ben écoute, il est tellement. Euh, not, euh, pour vrai, tellement bon pour euh, vulgariser euh, tout, euh, tout le stock de Géo, qui est quand même une tech qui est quand même très complexe. Euh, mais c'est ça, dans le fond, pour le prix, on va vendre du CPM. C'est tout le modèle, la programmatique euh, qui, font, qui fonctionne sous euh, le, le même chapeau. Donc, on va vendre 12 du CPM. Euh, à l'intérieur de notre plateforme. Donc, euh, c'est donc ça. C'est un, un coût qui est fixe? Ouais, c'est ça. C'est un, euh, un coût qui est fixe. 12 dollars de CPM, c'est pas, pas cher. Non, c'est pas cher. Si je, je peux te faire des comparaisons avec, euh, avec Facebook. Dans le fond, Facebook, si euh, tu as une campagne assez large, mettons, tu cibles tout le Québec, puis euh, tu n'as aucun ciblage, parce qu'on se rappelle, on va faire un parallèle à ce qu'il dit, euh, quand tu rajoutes des intérêts dans Facebook, ce qu'ils ne te disent pas, et okay, même ton account manager, si tu en as un chez Facebook, te te dévoile pas sans que tu lui demandes, c'est que tu vas rajouter des coûts. Parce que si c'est des données que Facebook a accès à l'intérieur de la plateforme, c'est fin. Tu n'auras pas de coûts additionnels. Mais si c'est des données cachées chez Blue Kai, chez LiveRamp, chez tout ça, ben, tu vas rajouter des coûts. C'est pour ça que souvent, quand ton pixel est vraiment entraîné comme un chef, tu peux rouler des campagnes au Québec au grand complet, puis que ça te coûte un coût moins cher que si tu ciblais des gens personnellement. C'est pour ça qu'il y a des campagnes sans ciblage sur Facebook qui fonctionnent mieux. Mais c'est un, euh, un peu de la même façon que ça fonctionne pour, euh, pour nous autres. Puis ce que tu dis à propos des, des campagnes sans ciblage avec le Pixel, c'est complètement vrai. Je confirme, moi j'ai beaucoup de campagnes qui roulent sans ciblage. Euh, mais juste pour adresser là, au niveau de l'augmentation du CPM en, 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 en égard avec la taille de ton audience. Euh, peu importe s'ils achètent des données ailleurs ou s'ils n'achètent pas des données ailleurs. Ce qui est important de comprendre lorsqu'on achète de la publicité sur Facebook, c'est qu'il s'agit d'une enchère. Donc, lorsque tu as une enchère, plus que tu as de personnes dans ton ciblage, plus que tu as d'enchères dans lesquelles est-ce que tu peux participer. Puis Facebook a un modèle parce qu'ils veulent maximiser leur profit, Donc, ils vont toujours saturer les enchères les moins compétitives en premier pour augmenter le niveau de compétition moyen sur leur marché. Euh, donc, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que, bon ben, tu commences à faire ta, ta pub, mettons que tu as 100 000 personnes, tu mets un 10$ par jour, tout va bien, tu as des coûts de conversion, ça te coûte peut-être comme une pièce 50 cents par adresse courriel, c'est un, un lit magnet avec une petite landing page, tout le monde est familier avec mes stratégies que, que je radote depuis 6 euh, ans. Et là, tu dis, crime, j'ai des bons résultats, je vais augmenter mon budget. Et là, tu augmentes. À 10, 20, 30, 100 par jour sur ton audience de 100 000, peut-être même 200 par jour sur ton audience de 100 000. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as saturé les, les, les places de marché qui étaient les moins compétitives. Et plus que pour chaque dollar que tu ajoutes, tu rentres dans des enchères de plus en plus compétitives, ce qui fait en sorte que bon, ben, ton CPM va augmenter, ton CPC, euh, ton CPA, donc ton coût par adresse courriel, ton coût par vente, ton coût par peu importe ce que tu recherches, va augmenter en même temps. Donc, si tu as juste ciblé tout le monde sur Facebook, et que tu laisses à Facebook la capacité de décider dans laquelle enchère est-ce qu'il a le plus de chances de te donner une conversion. Mais lui, son éventail d'enchères potentielles dans laquelle il peut placer ta publicité est plus élevé. Donc, il va te placer à des places « cheap » que lui, pense qu il pense qu'il va avoir un bon « upside » et ça va maximiser euh, les performances de ta campagne. Mais pour ça, ça prend énormément de données sur ton Pixel. Donc, c'est important, peu importe que, aies, que, ton, que tu lances ton entreprise aujourd'hui ou le 10 ans, si tu n'as pas le pixel sur ton site, ça te prend le pixel sur ton site. Là, là, tu vas me dire, Ouais, sauf que là, je donne toutes les données à Facebook. Moi, ça me fait quoi? Ça fait en sorte que plus tard, lorsque tu vas vouloir faire la pub, ben, Facebook va être capable de savoir qui sont tes clients, puis tes clients potentiels. Puis, justement, pas juste de mettre le pixel sur ton site, d'intégrer le pixel avec ton WooCommerce, d'intégrer le Pixel pour savoir, OK, qui. Qui, qui a acheté, combien qui a acheté, c'est quoi la valeur du panier, euh, qui, qui a rajouté un item au panier. Tout ça, c'est des données qui sont bonnes pour Facebook euh, parce que lorsque tu vas vouloir faire la pub, mais Facebook va être capable de bien placer tes trucs euh, là-dessus. Pour revenir avec l'achat le, 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 de données, ce genre de truc-là, tu m'as dit quelque chose tantôt avec lequel je ne suis pas d'accord. Tu m'as dit, je pense que le futur est plus bleu. Que présentement. Je pense que ça, on est sur la bonne pente. On, on se dirige vers un, une bonne place, on est en train de réglementer le marché, les choses vont bien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle crypto-monnaie de Microsoft qu'ils veulent implémenter, où est-ce que tu te mets un chip dans le corps. Ils appellent ça le, le IO. T'es comme le Internet of Things, là, mais là, t'es comme le Internet of Bodies. Où ce que tu es payé avec une crypto-monnaie pour te mettre un chip à l'intérieur de toi? Je ne je, je, je peux pas voir comment est-ce que ça pourrait bien se terminer, tout ça. <laughs> comment est-ce que tu envisages le futur de cette industrie-là? Autant. C'est sûr que tu vas me dire que tu, tu, tu trouves que ça va être fantastique. Okay. <laughs> mais. Quels sont les dangers selon toi? Je vais rephraser ma question pour t'amener sur une tangente un petit peu plus apocalyptique que j'apprécie fortement. Quels sont les dangers selon toi de cette technologie-là? Puis comment est-ce que tu vois que ça pourrait être mal utilisé? Puis après ça, tu vois peut-être me qu'est-ce qu'on peut faire pour justement s'assurer que ça n'arrive pas ou que ça minimise des dangers potentiels? Je pense que l'exemple le, que tu donnes, c'est le, le danger où je vois dans le. Je ne connais pas le, le, la crypto-monnaie de. De Microsoft, je n'avais pas entendu parler du, du projet, je trouve ça intéressant, je vais aller faire mes recherches après. Je pense que l'enjeu. Tu sais, le, le, moi, je, dans la vie, je suis un optimiste, un, un optimiste éternel. Je, je, je suis bien enjoué, je suis passionné. Je vois, je vois du bien. C'est sûr, tout n'est pas rose. Des fois, il y a des joueurs mal intentionnés. Il y a, des gens, il y a toujours des gens qui vont essayer de faire des trucs roches. Ça, on ne peut pas s'en sortir. Juste le fait qu'on soit assis aujourd'hui, qu'on puisse en parler. C'est quelque chose qui, il y a deux, trois ans, les gens... Parlait de moins en moins d'achat de données. Juste le fait qu'on puisse s'asseoir aujourd'hui, qu'on amène une partie des réponses, on ne les a pas toutes, on n'a on aucune prétention d'être les, les experts de la problématique ou de l'achat de données dans le monde, mais on a fait nos devoirs, on a fait des recherches, puis qu'est-ce qu'on a trouvé jusqu'à présent? On peut le partager aujourd'hui sur un podcast, le mettre, au grand, le mettre au grand jour, le montrer aux gens. Juste ça, je trouve que c'est déjà une belle avancée pour le fait de conscientiser les gens et commencer à réfléchir sur les données. Je pense que le plus grand danger, ce serait de ne pas donner de consentement et de ne pas être transparent. Dans le cas de, de qu ce que tu viens d'expliquer, de, de, Microsoft, si Microsoft implantait des chips sans le dire aux gens, ça, ça serait un très, très, évidemment, ça serait un illégal et très hautement moral, mais ça serait un grand danger. Bill Gates avec ses vaccins. Oh! <laughs> Je pense que l'important, c'est de tant que les gens sont bien éduqués, puis qu'ils peuvent prendre une décision, qu'ils prennent une décision claire basée sur les vrais faits, là, pas des fake news, pas des... des des, des, des trucs de, de, de vendeurs ou autre, ils ont vraiment les fentes entre les mains et peuvent prendre des décisions éclairées, ça ne reste pas sans danger. Il y a des, toujours des gens qui peuvent se faire plus influencer, mais le, le plus gros... Pourquoi je pense qu'on s'en va dans la bonne direction, c'est de plus en plus d'efforts qui visent à éduquer les gens. Les gens sont de plus en plus conscients de la publicité qui les entoure. Ce n'est pas nécessairement négatif-positif, c'est juste qu'il faut être au courant, il faut bien comprendre, il faut être capable surtout de décider. Pour répondre à ta question, le plus grand danger, c'est si les gens font, par exemple, du marketing sans consentement. Puis ça existe, malheureusement. Il y a beaucoup de providers, moins au Canada, mais il y en a dans certains pays, euh, aux États-Unis entre autres, il y en a aussi ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui font du géomarketing qui vont obtenir ta position de manière détournée avec des scammy apps, avec des, euh, toutes sortes de, de, de stratagèmes que je ne veux pas donner parce que je ne veux pas donner une idée à des gens qui ont vu des vertes et des pommes, puis. Cette manière-là de faire du marketing, ça, c'est un danger pour notre industrie. Nous, le plus gros danger, c'est les gens qui prennent des raccourcis, qui veulent ne pas être éthiques dans notre, dans notre industrie. C'est eux qui mettent en péril la pérennité de ce produit-là. Plus on va être transparent, plus on laisse le choix aux gens. Puis que si finalement, il y a tout le monde décide de optant, puis il n'y a personne qui décide d'être visé par ça, bien, ça prouve que notre produit ne générait pas assez de valeur, puis que le produit devait être amené à mourir, puis c'est correct. Mais il ne faut pas qu'ils disparaissent parce qu'il a été régi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas laissé le choix. Il faut laisser le choix, puis les gens trancheront s'ils décideront de, de, de s'abonner ou non. Puis je pense que c'est la même chose pour les données de carte de crédit. Il faudrait que quand tu signes un contrat de crédit, à côté de ta signature, il y a une question très claire. Est-ce que tu me laisses t'afficher des publicités basées sur tes achats? Oui, euh, oui non. Puis qu'il y ait un petit un minimal de, de, un minimum d'explications qu'ils donnent. Euh, dans le cas de la crypto-monnaie, s'ils veulent faire des trucs flyés et implanter des puces, qui expliquent clairement c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leurs ambitions, dans quoi tu t'engages, puis c'est quoi euh, le opt-out. Parce que quand il y a opt-in qui est donné, c'est jamais immuable dans le temps. Peut-être que si quelqu'un avait dit non, moi je veux pas le jour marketing, il écoute le podcast aujourd'hui, il aime notre bête, il dit crime, ça a l'air intéressant, moi je vais en voir des pubs comme ça qui vont opt in tant mieux. On a réussi à éduquer et à faire prendre des décision éclairée. ça à l'inverse, tu te fais mettre une chips et tu peux plus l'enlever, mais ben, ça c'est problématique parce qu'il y a des fois des fournisseurs qui disent oui, je laisse le choix mais c'est gravé au fer rouge après, tu ne peux plus l'enlever. D'où pourquoi Apple, on l'a mentionné une couple de fois dans l'épisode, mais avec iOS 14, qui reset les devices pub publicitaires à toutes les 30 jours, c'est un beau casse-tête pour les gens comme nous, parce que ça, ça fait que ça complexifie le retarget sur des longues périodes, mais c'est une bonne chose, parce que si quelqu'un veut donner son consentement, qu'il l'a retiré, ben, au bout de 30 jours, c'est fini, puis euh, son ID est plus public. J'aime ça comment que tu vois toujours le bon côté des choses. Je pense que tu fais peut-être un peu de projection sur tes bonnes intentions. Euh, je vais juste donner un exemple excessivement concret à, à tous les gens qui nous écoutent, qui connaissent cette app-là, parce qu'ils l'ont eu. C'est une app qui est devenue virale. Euh, je pense que ça s'appelait The Face App, qui te permettait de prendre une photo de toi et de, ouais. de regarder tu avais l'air de quoi, si c'était un bébé ou si c'était un, un vieux, tu sais. Euh, cette application-là a été développée en Russie et a accès à l'ensemble des photos que tu as dans ton téléphone, ou que tu l'installes puis que tu acceptes. Euh, parce qu'il faut que tu prennes une de tes photos pour être capable d'avoir accès justement à, 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 la, à la modifier, mais ils demandent l'accès à l'ensemble de ton catalogue de photos. Et il y a des gens qui ont été fouillés dans le code puis ils disent Ouais, t'installes cette app là ils vont juste scraper toutes tes photos, uploader ça sur le serveur, puis qui sait qu'est-ce que tu as dans tes photos? Tu ne sais? euh, donnes pas ton consentement à. Parce que j'ai l'impression que le consentement n'est pas assez granulaire. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant dans la dernière mise à jour d'Android. Justement, euh, lorsqu'un app te demande euh, de prendre tes données de GPS, tu as Always Allow, puis tu as Allow Only While Using the App. Donc, tu peux décider, OK, je veux juste que tu aies accès à mon GPS là, pendant que l'app est ouverte, ou tout le temps. Euh, puis, ça, justement, entre autres, au niveau de, de, de ta librairie de médias, tu sais, aie accès à, mes, à, à ma bibliothèque de médias juste aux photos que je décide ou à toutes les photos. Mais ça, c'est encore, c'est toutes des outils, puis c'est toutes des réglementations, puis des systèmes, puis des, 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 des barrières qu'on est en train de mettre. Mais pendant tout ce temps-là, si on regarde les 5-10 dernières années, c'était le Far West au niveau des données, puis les gens pouvaient prendre tout ce que tu avais sur ton, sur ton téléphone. Euh, ça peut faire excessivement peur. Et surtout sur, dans le code Cambridge Analytica, moi je m'en rappelle quand j'ai programmé ma première application. Euh, Facebook, tu peux demander une série de, 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 de droits, tu sais, puis par défaut, ce qu'ils te donnaient, tu sais, avais comme la liste de tous les amis, la ville, le genre, l'orientation sexuelle, tu sais, les, les écoles, tu en avais beaucoup, 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 et il n'y avait aucune, tu n'avais pas besoin de prouver la légitimité de l'accès à ces données-là. Maintenant, si tu veux avoir accès à un certain set de données qui est à l'extérieur de mon adresse courriel, nom, photo, genre, euh, il ben, faut que tu justifies à Facebook pourquoi est-ce que tu as besoin de ces données-là. » Mais « back in the day », ça n'avait pas besoin de faire ça. fait J'ai comme l'impression qu'au fur et à mesure qu'on crée la technologie, on amène avec nous un espèce de, de, de gros package de problèmes qu'il faut par la suite, une fois qu'on a « unleashed » cette technologie-là qui peut avoir un aspect négatif, on est comme obligé de recorriger par la suite justement parce que les a, à cause des débordements qu'on a. C'est impossible d'anticiper à l'avance. Le la, la chip de, de Microsoft, c'est une chose, mais de le familier avec Elon Musk, notre grand ami qui veut nous envoyer sur Mars, qui est également en train de travailler sur une chip qu'on va se mettre dans la tête, qui a un accès d'écriture et de lecture à tout ce qu'on pense. Quand je dis un accès d'écriture, tous les programmeurs de ce monde ont les cheveux qui se dressent sur la tête et avec raison. Quand est-ce qu'on est capable d'acheter un changement d'opinion de quelqu'un? Quand est-ce qu'on est, qu va être capable d'acheter une émotion de quelqu'un? cest à dire, moi, je veux que cette personne-là ressente cette affaire-là pendant qu'il check mon affaire. Puis là, Tesla, Elon Musk, il se fait un 100$ juste pour te donner un petit spike de dopamine quand que tu checks une pub. Who knows? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est pour ça que je te dis. Oui, il y a des gens qui sont bien intentionnés. Ils vont faire ça comme que vous le faites. Juste faire une petite pub à gauche et à droite. Et du monde qui sont, qui sont méchants. Ouais, mais je pense que, comme Matt l'a dit, c'est pour ça qu'on on essaye d'être le plus transparent possible. Puis, de moi, ça parler me fait, moi de ça. fait peur. Ouais, moi, moi j'avais pas tant ça. peur avant, mais là, ah. je suis tellement encore <laughs> Mais tu sais, tu parles de Cambridge Analytica. Tu sais, quand tu penses à ça, puis pourquoi on. on je pense que Matt est très positif, euh, puis on l'est très positif à, à l'interne, c'est que. Ce, ce outbreak-là a permis que maintenant tu peux voir n'importe quelle publicité, que n'importe qui euh, roule. Je sais que ça n'a pas nécessairement un rapport avec les données, mais ça a, a, ça a amené Facebook à devoir aller devant le Congress. Ça a amené Facebook à euh, donner accès là, à, à tout ce qu'il recueillait comme données puis à donner la transparence à travers sa plateforme. Donc, on progresse tranquillement. Je t'avoue que ce n'est pas parfait. Tout ce que tu me parles de Elon Musk, c'est pas, pas fait, mais ça fait peur. Une des plus grandes peurs de Elon Musk. C'est l'AI. L'AI collecte et est capable de prendre des décisions. Puis comment qu'on va faire évoluer la technologie puis positionner des barrières pour pas qu'elle déborde de chemin? Je pense que c'est ça le défi. On a le défi avec l'AI qui va s'en venir. On a le défi avec toutes les données. c'est pour ça je pense qu'on est transparent puis qu'on essaye d'en parler le plus possible parce que je vais être bien honnête. On pourrait dire, OK, on développe quelque chose puis on, on coupe les coins ronds puis on va faire genre une passe de cash puis let's go, on va cibler des gens qu est, que c'est illégal, mais au pire, ça va, ça va fermer, puis il euh, n'y aura pas de problème. Mais ça nous, mène, ça nous mène à quoi, ça? Ça nous mène juste au fait que tout soit réglementé, puis qu'on n'ait plus le droit de rien faire. Fait que nous autres, on préfère juste en parler versus euh, tout ce qui s'est fait dans le passé. Avec Mais je, pense que, je pense que le, le, le concept de dire d'apporter une certaine awareness, justement, à comment est-ce que ça fonctionne, euh, c'est qui qui fait ça, de quelle façon est-ce que c'est fait, quelles sont les bonnes façons de le faire. Moi, je pense, honnêtement, en, en vous écoutant parler, toutes les PME au Québec seraient. Complètement fou de ne pas aller voir votre plateforme. Euh, propulso, GEO, c'est quoi exactement le site web pour que les gens puissent se rendre là-dessus pour tester en bêta votre plateforme? Ils peuvent aller sur propulso.io, puis euh, ils vont être bien pris à partir de là, ou sinon sur GEO.propulso.io pour voir la plateforme. Euh, ou dans Google, GEO, propulso, propulso, GEO, les deux fonctionnent, c'est bilingue, c'est polyglotte. Super. <laughs> puis euh, je, vais, je, vais, je vais vous demander un, un lien là. Un lien de partage <laughs> spécial. Puis, tu sais, comme pour, on mentionnait euh, au début, euh, on, on va lancer une bêta. Quand on dit une bêta, c'est pas que le produit n'est pas pris ça à 100 il n'est pas terminé. Au contraire, il, les devoirs ont été faits, il a été rodé et autres. La bêta, c'est qu'on essaye de démocratiser ça pour les, on va dire, les agences. Les, euh, parce que jusqu'à présent, c'est les très gros brands, les revendeurs, les très grosses agences qui travaillent en, en « managed services ». Ça fonctionne bien, on a des campagnes à succès. On essaie, comme tu as dit, d'amener ça aux petites PME. C'est quelqu'un qui a un commerce local ou deux, trois commerces et qui veut être capable d'annoncer lui-même ou avec son agence de marketing locale. Fait que la portion qui est en bêta, c'est l'interface. Comme, comme tout UI peut avoir des petits bugs, des petits quirks au début, euh, on l'a tagué bêta pour. Euh, on cherche des testeurs, en fait, pour l'essayer, le, pour nous donner un feedback, euh, s'assurer que c'est simple. On va travailler avec des UX designers pour être sûr que l'expérience est, est, est simple, que les, les concepts sont clairs, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Mais somme toute, on est en, on va dire, en open beta. Là, les gens peuvent aller s'inscrire. On va donner des actions un peu comme Wealthsimple que tu utilisais tantôt au début quand ils ont lancé et ils ont, euh, ils ont fait une première bêta. Les systèmes boursiers marchaient, il n'y avait pas de bug, tu pouvais acheter tes actions. Même chose au niveau de Géo. C'est l'interface qu'on est en train de tester. On veut s'assurer qu'il est clair, qu'il est simple, qu'il fait du sens pour une petite PME. Parce qu'un des défis, c'est de dire si tu sais juste 3-4 lieux, est-ce que ça va coûter 1$, 4 10 30 Il y a comme une certaine granularité qui est difficile à estimer. C'est sur ça qu'on va travailler beaucoup avec ces, avec ces gens-là. OK. Good. Si, si, si. Puis, ça nous amène encore plus loin. Là, on parle beaucoup de géomarketing. Euh, tantôt, tu parlais du pixel de, de, de Facebook. Je me permets mm. juste. C'est une plateforme locale dans mm. tous les sens du terme. Parce qu'elle est faite ici, elle est faite au Québec. Euh, petite parenthèse, on parle beaucoup de, du panier bleu, tu dernièrement, du fait de l'importance d'encourager ici et autres. Quand on annonce sur Facebook puis Google, panier bleu qui a moins de 100 000 visiteurs par mois sur leur site web, après un investissement de combien de millions, je sais pas, je ne me rappelle plus. On ne fait pas, pas de beaucoup. politique, on ne commande pas les... <laughs> moi, je vais le faire, je vais le faire. Ce pas une bonne idée, c'est un petit peu n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites, je ne sais pas. Mais il est temps que les pousseaux de crayon à, qui sont à, à Québec, ils s'inscrivent sur la tranchée. Hein? Il est temps. <laughs> « Renseignez-vous comment ça fonctionne parce que je ne suis plus capable. » En tout cas, quand est-ce que Olivier Lambert va se lancer en politique? C'est ça la question. Scotch et domination mondiale, c'est tout un préambule pour ça, dans le fond. Who knows? <laughs> un lead-up pendant dix ans. <laughs> c'est une grosse campagne. Ouais, c'est ça, ça. <laughs> les, les gens du panier bleu, la bonne décision qu'ils pourraient prendre s'ils veulent mousser leur plateforme, c'est de l'annoncer sur Propusso Géo. Oh! Parce que quand on annonce sur Facebook, quand on annonce sur Google, 100 Tu es en train de demander, justement, à ce qu'une institution une gouvernementale dépense l'argent des contribuables sur votre plateforme? Le, Vous le, Faites pas de le, politique. Hein? On fait pas de politique. Je pense que je t'ai Mais Si on, un si peu, on là, a d'argent à dépenser, l'avantage de dépenser sur une plateforme comme la nôtre, au-delà du ciblage qu'on pense révolutionnaire, de, ils peuvent mesurer les gens qui envoient dans les, dans les commerces du panier bleu. Donc, il n'y a pas d'argent mis à, à peu près si c'est des, des retail stores physiques qui sont capables de mesurer les conversions. Mais encore plus loin, chaque dollar investi chez Google ou Facebook s'en va 100% à l'extérieur du Canada. C'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que, puis Gabriel Hussier et puis toute l'équipe chez Propulso. Quand on fait de, du marketing numérique, c'est une mainmise du GAFA, Google, Amazon et compagnie. Ça s'en va tout soit dans des paradis fiscaux ou aux États-Unis, où on ne sait pas vraiment, on n'a pas fait nos recherches, mais ça s'en va à l'extérieur du Canada. On a fait l'exercice, on a eu des brands québécois dans les euh, cet été qui nous ont demandé, on dit nous, on aimerait ça au maximum que l'argent reste au Canada. Puis qu'elle reste dans l'économie d'ici. Que C'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup. Puis interplateforme, on estime que ça varie selon les campagnes, mais la règle générale, la règle de pouce, entre 60 à 75 du budget publicitaire reste au Canada pour le Québec, chez des annonceurs d'ici, que ce soit des Radio-Canada, Tout.tv, La Tribune et compagnie, euh, avec des Martech comme nous autres, avec des providers de la région et autres. Donc, il y a même des providers de données canadiens avec qui on fait affaire. Donc, dans un contexte de mondialisation, on n'a pas le choix d'avoir des fournisseurs internationaux, mais. De 60 à 70 et redistribué dans tous les médias, tous les publishers, tout l'engrenage la, la, au lieu de sortir quasiment à 100 et aller aux États-Unis, on, on en garde une bonne, une majeure partie, on va dire, au Québec. Puis même, on est en train d'exporter. On travaille beaucoup à exporter la plateforme parce qu'elle marche partout dans le monde, sauf quelques exceptions, les, euh, sauf quelques pays euh, où on ne peut pas opérer. Euh, mais pour la majorité partie des pays, euh, que ce soit en Europe, en Australie aux États-Unis, on a beaucoup de clients, puis on a de plus en plus de clients qui roulent. Sur la plateforme de au Géo à l'extérieur du Canada. Donc, ça, c'est une autre bonne nouvelle parce que c'est une. Dans le PIB d'économie, c'est beaucoup d'argent qu'on réinjecte, qu'on ramène de l'extérieur. Donc, on est capable de tranquillement, pas vite, aller chercher au, au GAFA. Puis, dans cette optique-là, comme on est un peu un, un David comme Goliath, on joue contre des très gros joueurs qui ont euh, des, des, on va dire des grosses ressources et autres. On essaie d'être tout le temps le plus possible, euh, on va dire, euh, innovant. Euh, fait que tantôt, on parlait du géomarketing, mais la prochaine étape, ce à quoi on s'attaque, ça va être beaucoup le géo-insight. Euh, un peu un genre de Google Analytics, mais du monde physique. Donc, comme on a des données qu'on peut acheter à la bourse, euh, on a accès à des positions et autres, mais ben, on cherche de plus en plus à aider les commerçants à comprendre leur trafic en magasin. Donc, je vous donne un exemple fou. Disons que tu as une boutique qui vend des meubles, tu as trois concurrents dans ta ville. Est-ce que les gens vont chez ton concurrent avant de venir chez toi? Ou est-ce qu'ils vont dans ta boutique puis après ça, ils vont chez un concurrent? Est-ce que les gens sont allés sur ton site Internet avant de venir à un magasin ou après? Donc, l'idée d'avoir un pixel qui permet d'attribuer les, les visites web à des visites physiques, fait que ça, c'est tout l'aspect basé sur les mêmes données. Là, on fait du marketing parce que c'est la première chose qu'on savait faire. On est des gens de marketing de techno. Mais pour aller un peu plus loin, on est en train de travailler beaucoup sur l'aspect analytique de la chose. Les gens, ils restent combien de temps dans ton magasin? C'est quoi le taux de rebond? Euh, vraiment, tous les termes qu'on est habitué avec un Google Analytics. Mais au lieu d'analyser un site web, on analyse des magasins. Dans le but de sortir des statistiques, d'être capable de voir est-ce qu'une campagne Facebook ou une campagne à la radio m'a amené du trafic en magasin? Est-ce que mes compétiteurs sont deux fois plus gros que moi? C'est quoi la taille de mon compétiteur par rapport à la mienne? Et surtout d'être capable, un jour, au lieu de dire, un peu comme le pixel de Facebook qu'on entraîne, donc au lieu d'être capable de dire cible mes compétiteurs ou cible tel tel lieu, on va être capable de faire un peu des puis de dire les gens qui viennent dans ton magasin, c'est quoi les autres endroits qu'ils fréquentent une heure avant? Est-ce qu'il des points qui se recoupent? Si oui, ciblons-les pour trouver des consommateurs semblables. Donc, c'est toutes sortes d'idées comme ça qu'on est en train de travailler pour baser sur l'aspect geolocation, faire du marketing, faire du geo Insight puis beaucoup de user journey également. Donc, d'être capable de dire si, je ne sais pas, par exemple, tu es un bâtisseur de maison, tu as plein de maisons euh, modèles euh, dans une ville, ben, on détecte quelqu'un qui est peut-être allé visiter une autre maison, on lui affiche une publicité, puis on lui montre dans la publicité la maison la plus à proximité de lui. Ou si quelqu'un voit une publicité, parce que tantôt on parlait d'afficher des bannières, d'afficher des vidéos, hein, on a réalisé qu'il y a beaucoup d'impact dans l'ordre des bannières qu'on affiche. Donc, si quelqu'un, on lui dit, euh, tu sais, es allé chez un concurrent, on t'affiche une première bannière qui te parle de la brand en général. Après ça, on t'affiche une autre bannière qui parle de produits spécifiques, un peu le middle top, middle uh, bottom funnel. Mm -hmm. Tu viens dans ma boutique, puis après que tu sois sorti, quand tu as une soumission en main, disons que tu achètes une piscine, un un spa, un, quelque chose qui est un auto, un matelas ou autre, on te recible pendant le 24 heures que tu es en prise de décision pour te montrer des key features, notre Google Rating, des trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup d'astuces qu'on peut avoir dans comment on exploite tes données pour être capable de. de L'objectif, c'est de, de te repasser tes concurrents. Donc, le, le, le bottom line, c'est on essaie de distinguer en gardant l'argent d'un publicitaire là, au maximum dans, au, au Québec. Puis après ça, les gens vont être capables d'utiliser des joinsites, Geo marketing et autres. Ça, c'est quelque chose qui s'en vient dans la plateforme bientôt, le plus euh, rapidement possible. On est en train de travailler là-dessus. C'est sur, euh, sur notre euh, banc de travail et ça va être très, très bientôt. C'est encore une, pour nous une autre manière d'innover, puis d'aller au-delà de qu ce qu'on peut avoir dans des exchanges publicitaires, c'est de donner vraiment un hub central. On vise, nous, les retail stores, le, de, tout le trafic physique, tous les gens qui ont encore une boutique sur rue euh, ou qui veulent viser des boutiques sur rue, c'est d'être capable de comprendre et d'analyser ce trafic-là. Ça me fait penser justement que, que tu as différents types de données que, que tu peux acheter. Puis, comme personnellement, avec la tranchée, moi, ce que je fais, c'est que dans le fond, toutes les adresses courrielles que, euh, que j'ai sur mon site web, je commence par faire un quick check. Est-ce que c'est une adresse qui est bandée? C'est quoi les données en lien avec la fiabilité de cette adresse courrielle-là? En dessous de ça, bien, je la passe dans un autre euh, dans un autre API qui me permet de savoir bon, mais cette adresse-là, est-ce qu'elle est, qu est associée à un compte Facebook, un compte LinkedIn, un compte Foursquare, un compte, c'est quoi les données qu'on a du avatar euh, Si oui, mais tu as des banques de données qui cross-match dans le fond le compte, euh, toutes les différentes comptes des plateformes pour un individu pour être capable d'associer, bon ben comme euh, telle adresse courriel avec tel prénom. Puis plus qu'on donne de données à cette, à ce cette service-là qui est People's Lab Data, euh, je crois ben plus qu'on va avoir un score de fiabilité sur les données. Euh, qui sont qui sont fiables. Fait qu Ils vont nous dire sur 100% c'est quoi leur, euh, leur likelihood que tu sois la personne qui est devinée. Fait que ça, c'est un exemple de données que euh, n'importe ben, que quel type de business peut essayer d'utiliser. La personne s'en va sur ton site, tu mets son adresse courriel, oh, tu y mets son visage, tu l'appelles par son prénom. Euh, tu sais, c'est un gosse ou une fille, fait que tu peux personnaliser selon le genre. Sauf que bon, hein, ça va être de plus en plus compliqué. Là. Ouais. Mais mais ça, c'est le genre de choses, c'est comme de base, euh, où tu prends le… le... Bien, sûr que le prénom de la personne pour deviner son genre, ça, c'est pas nécessairement en lien avec un, un, un achat de données, mais tu il y a comme différentes algorithmes que tu peux utiliser euh, pour être capable de personnaliser l'expérience du client sur ta plateforme web. Et tu peux probablement acheter d'autres types de données euh, que, justement, la, géol la géolocalisation. J'en ai nommé en, en, niveau, euh, en lien avec l'adresse courriel. C'est quoi les autres banques de données qu'on peut acheter qui sont sur ces exchanges-là? Est-ce que c'est. On a parlé un peu des cartes de crédit tantôt, des historiques d'achat. Ouais, je ne te... je sais pas nécessairement toute l'étendue des données, comme, euh, comme Matt peut le connaître. Je vais donner un exemple pour le B2B. Euh, je ne sais pas si tu connais Clearbit, Segment. Euh, c'est tout dans des applications dans l'univers du B2B qui permet que si tu visites un site, même Drift, je ne sais pas si tu connais la plateforme Drift de chat, c'est tout en B2B. Tu vas sur un site. Puis, ça pourrait te dire, même si la première fois que tu vises ce titre là Hey, salut Olivier, genre, veux-tu discuter avec quelqu'un maintenant? Je peux-tu t'intéresser à quelque chose? Pourquoi? C'est que Clearbit, il achète ces données-là, puis il achète les données de, dans le fond, de visite de sites web, les third-party cookies, tout ça. Ils sont capables d'identifier une business. Donc, mettons. Ici, je ne sais pas si le QG de la Tranchée, ben, il serait clair de dire, hey, salut la gang de la Tranchée, euh, pourquoi Mais ça, vous nous visitez aujourd'hui. Est-ce que c'est Google Maps qui vend ça ou c'est genre moi il faudrait que je vende ça. Euh, non, c'est dans le fond c'est toutes les quand tu t'en vas sur, euh, sur, un site web, les third party cookies qui okay, sont ouais. vendus. Fait que toi quand tu opt in puis que tu dis que es, euh, la, ton nom de business la Tranchée, t'es euh, Olivier, euh, ton adresse courriel tout ça, ben, il y a des sites qui vont genre vendre ton data, puis après ça, ClearBit va les acheter à la bourse mondiale des données. Même que même chose que nous autres, qu'on va faire pour les données GPS, c'est les données en ligne. Puis les autres vont traiter ces données-là pour être capables de t'identifier quand tu vas visiter le site pour... La fait, dans fois. le fond, ils prennent ton device ID qu'on a mentionné tantôt. Ouais. Ils ont déjà cross-matché avec d'autres données, ce que vous ne mmh. faites pas parce que vous trouvez que c'est un petit peu shady. Mais les autres ils vont dire, OK, ce device ID-là s'appelle Olivier. Ouais, mettons, l'adresse IP est identifiée à cette business-là. Donc, euh, quand, quand quelqu'un qui, qui est associé à cette adresse IP-là, à cette business-là, qui va sur le site Web, bien, là, on peut customiser son expérience. Mais l'adresse IP, c'est un peu. C'est un peu. Euh, c'est faible, Parce que, mettons, tu euh, un commerce, tu vas avoir comme, je ne sais pas moi, comme 1000 devices. Mettons, tu prends l'adresse le, le IP du gouvernement, tu sais, ouais. euh, centre fiscal. Tu vas avoir plein de gens qui ont un, un sous-adresse IP dans leur mmh. réseau. Fait que tu ne peux pas identifier euh, Carmen qui travaille au centre fiscal. Non, tu ne peux pas identifier la personne, mais tu peux identifier comme la business, si la personne a laissé son nom, peut-être. Mais moi, je parle qu'ils vont cross-matcher aussi avec les, les cookies, puis ils vont faire toute une analyse. Euh, en fait, je peux aller encore vraiment plus loin que ça. Tu, on parlait tantôt des third-party cookies qui vont en quoi, un, an, un an et demi être banni par Google. Yep. Fait que, Puis Google est en train de créer une. On va de juste euh, clarifier dans le fond qu'est-ce qu'un third-party cookies. Donc, lorsque vous allez sur un site internet, euh, donc vous allez sur la tranchée, ben il y a différents types de cookies que vous allez avoir installés sur votre ordinateur. La tranchée va installer des cookies sur votre ordinateur parce que bon ben juste, tu sais, il faut que vous soyez connecté au site web. La connexion à un site web a besoin de cookies, etc. Sauf que si j'ai un script, disons Facebook, disons Google Analytics, disons n'importe quel autre script, Hotjar. App que je mets sur mon site web. Eux, vu qu'ils sont sur le site web La Tranchée, vont mettre des cookies dans votre ordinateur lorsque vous allez sur le site web La Tranchée. Mais c'est des cookies qui sont d'un third party, donc d'un autre, d'une partie tierce, qui ne sont pas de La Tranchée, donc de Hotjar. Donc les cookies de Hotjar sur La Tranchée vont être discontinués. Pas vos cookies sur votre site web. Parce que lorsqu'on dit les cookies ne marcheront plus, ça peut faire peur à beaucoup de gens parce qu'ils disent, ben, hey, comment est-ce que mon site Web va fonctionner? Il va arrêter de fonctionner. Non, c'est pas vrai. C'est juste, dans le fond, les scripts externes qui ont besoin d'avoir euh, une certaine mise à jour. Il y a d'autres alternatives que les cookies. Il y a ce qu'on appelle le local storage en JavaScript. qui permet d'avoir exactement comme les cookies. Qui se, ça va, euh, ça va continuer de fonctionner. Donc, ce ne sera pas nécessairement Et, un tu, tu as un bon exemple. Tantôt, tu parlais de l'adresse IP. On parle des cookies. Oh. Euh, il y a une des compagnies qui s'appelle LiveRamp qu'on qu a mentionné tantôt. Eux, leur spécialité, une des spécialités qu'ils ont. De, ils ont trouvé une manière. Je ne pourrais pas vous dire laquelle. C'est leur propriété intellectuelle. Mais en gros, ils sont capables. On a un device ça a dit tantôt, on parlait d'un numéro qui est associé au cellulaire qui se reset après 30 jours. Mm -hmm. Du côté de LiveRamp, eux, ils font un peu qu ce qu'on appelle le Master Profile ID. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, c'est de trouver une personne. Mettons Gabriel, il y a une tablette. Il y a une Connected TV, il y a un cellulaire, un ordinateur. Puis ils vont aller trouver tous ces appareils, tout son, son parc informatique. Ils vont aller prendre tout ça, ils vont le rassembler dans son master profile ID. Puis quand tu fais de l'advertising, tu advertises à son master profile ID, qui est toujours une série de nombres anonymes. C'est juste qu'en dessous de tout, tu as une tablette, une télé et autres. Ça fait que ça, c'est une manière. Puis comment ils se prennent C'est basé sur un paquet de facteurs. Il y, a, il y avait anciennement des third-party cookies. Maintenant, c'est parti. Euh, ils utilisent un, un paquet d'autres informations. Il y a toutes les miettes qu'ils peuvent trouver sur une personne. Ils vont les rassembler, puis faire utiliser... Un, si tu as une miette qui est fiable à 50%... Mais si tu en as 1000 qui sont toutes fiers à 50%, tu finis par avoir un 99.9 périodique, puis tu es mm -hmm. capable de dire, ben, si ces 1000 miettes-là correspondent, c'est cette personne-là. C'est là-dedans qu'ils se spécialisent. Donc, quand on parlait d'achat de données, euh, Clear, euh, j'ai oublié comment ça s'appelle, Clear Clearbit, si uh, c'est eux qui sont capables d'associer, de, de, ben, peut-être qu'ils font des, des, quelque chose de, de, de similaire. Je ne connais pas en détail leur, leur technologie, mais euh, LiveRAM permet de faire ça, permet de vraiment dire, basé sur toutes les miettes, que sur quelqu'un. De moi accès à son parc d'après. Donc, nous, c'est quelque chose, entre autres, qu'on utilise pour le géo, de dire quand on a capté un cellulaire, on ne veut pas juste afficher au cellulaire. Si la personne nous a donné son consentement, on veut lui afficher aussi euh, sur son ordinateur, sur sa tablette. Si on va être capable de la cibler avec de la vidéo, mettons, autre que juste sur un écran de cellulaire. Ça, c'est quelque chose qui nous distingue beaucoup. Puis c'est une des manières qu'on peut y parvenir. Avec des fournisseurs euh, de, du genre de live qui sont capables d'avoir l'ensemble du parc informatique. Mais encore une fois, quand on parlait de l'achat de données tantôt, puis euh, le de fournisseur que Gabriel a mentionné, bien, c'est toujours, ça revient toujours à l'idée de dire pour être capable d'acheter des données là, va pas qui veut aller acheter. C'est une place sur invitation, il faut être qualifié, il faut avoir du volume, il faut avoir les poches profondes. Puis surtout, il faut avoir une plateforme ou une manière de justifier l'achat de données, théoriquement. Je ne sais pas s'ils font toujours ces, ces devoirs-là, mais il faut que tu sois capable de prouver que l'utilisation que tu vas en faire, ça a des fins marketing et, euh, et autres. Donc... C'est pour le commun des mortels pour une PME. Si elle veut acheter des données pour faire du ciblage, c'est vraiment via une plateforme de DSP comme soit la note, Google Ads ou peu importe le DSP qu'ils vont utiliser. C'est là qu'ils peuvent acheter les données parce que Google a fait un deal, peut-être avec LiveRamp, qui sont capables de dire Écoute, j'ai une entente de volume, tu peux acheter tel, tel, tel truc pour ta campagne. C'est quelqu'un qui, au day-to-day, voudrait se dire Moi, je développe une application, je veux développer de quoi de bien bien nicher sur mon site web avec des données que j'ai mes consommateurs, c'est quand même assez difficile de, de nos jours d'être capable de. de Nous-mêmes, ça nous a pris trois ans et demi quasiment, juste être capable d'avoir l'accès à l'ensemble de ces fournisseurs-là. Puis il a fallu être très insistant, très persistant pour qu'une petite boîte de, de Sherbrooke puisse monter les, les, une tech avec des ambitions comme ça. Il a fallu être très agaçant euh, sur LinkedIn et très persistant et autres. Euh, puis c'est pas, pas accessible, on va dire, au PME là, pour, pour faire du ciblage. Mm. Mais c'est accessible aux gens qui ont les poches profondes. Hein? On ne se demande pas c'est qui. Puis on ne veut pas tomber dans les théories du complot, encore une fois. Euh, tantôt, tu as parlé parlais des cookies. Ça m'a fait penser à quelque chose. Euh, Puis on parle justement de, 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 du consentement des gens à être suivis. Puis un peu du fait que les réglementations laguent tout le temps un peu derrière la technologie. Ça va en Europe, tu tombes sur n'importe quel site.fr, ils te demandent est-ce que vous acceptez d'avoir des cookies À quel point c'est retard, à quel point c'est retard, ce petit pop-up-là? Qui, qui ouais. va dire je ne veux pas avoir de cookies? Ça, dire, ça pète ton site. Tu ne peux rien faire, pas de cookies. Anyway, mais même si tu ne donnes pas ton autorisation d'avoir des cookies, est-ce que vous avez entendu parler des fingerprints? Oui. Bon. Faites-moi un brief. C'est là que. Ben, en fait, c'est là que j'allais. Question d'examen. <laughs> c'est là que tu en allais? <laughs> c'est là que je m'en allais un peu, c'est que même si. Tellement creepy, ça. Ah, oh, ouais. Ben, je ne l'ai jamais fait. Air quote pour ceux qui écoutent. Ben, en fait. Je, tu me confirmeras si c'est euh, exactement de, de quoi tu parles, parce qu'il y a plusieurs interprétations, mais en fait, les third-party cookies, même s'ils euh, il les il bloquent, comme Safari le fait déjà, Firefox le fait déjà, euh, on est capable d'identifier, pas, pas nous, mais en fait, les compagnies de, de data sont capables d'identifier un user par euh, toute la technologie qu'ils utilisent. Donc, c'est quoi les plugins que tu as installés sur ton Google Chrome? C'est quoi la version spécifique que tu utilises sur son gros Chrome? C'est quoi euh, ton ordinateur? La version de ton ordinateur? C'est quoi tout ton profil d'utilisateur? Puis ils sont capables de te corner, si on veut, de faire un, une identification de c'est le même utilisateur. Donc il y a des moyens détournés euh, parce que, tu sais, nous, une des premières affaires qu on, quand on a appris que les third party cookies allait être, euh, être enlevé. on a fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis là, il y a beaucoup d'experts de, 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 du domaine qui parlaient de ça. Puis j'étais comme à quel point c'est insane? Tu sais, J'ai un peu la, la même réaction de toi. À quel point c'est insane de pouvoir identifier un utilisateur? Peu importe les réglementations que tu fais, il va toujours avoir des joueurs exact. qui vont passer par-dessus la bande, puis qui vont aller. Euh... Nous autres, a, la façon dont que je l'ai utilisé avec la tranchée, maintenant je ne prends plus. Je pense qu'il y a eu des lois qui ont passé par-dessus ça ce ne serait plus nécessairement quelque chose qui est légal. Je ne sais pas. J'en prends plus. Mais à la base, la façon qu'on l'utilisait, c'est parce que les gens, ils oubliaient leur euh, username, ils oubliaient leur adresse courriel sur le site. Euh, fait ce qu'on faisait, c'est que OK, ben, tu te connectes, on log, dans le fond, le fingerprint ID de ton device. Comme ça, quand tu retournes sur la tranchée, on te dit Hey, salut, est-ce que tu es marque Oui, OK, connecte-toi. Fait euh, que ça, c'est un, une utilisation pratique qui est juste pour améliorer l'UI, puis c'est pas creepy, puis tu ne pas passer à personne d'autre. Euh, mais c'est justement, tu sais, ce que ça fait, la façon que tu l'as expliqué, c'est exactement ça. Windows 10, version 432.1066664. T'as tel carte graphique, tel processeur, tant de RAM. Voici la version de Chrome. voici la... Fait en ayant toutes ces informations-là, ça fait en sorte que le, la probabilité que le mec qui te retrouve sur le site, la probabilité qu'il y ait un match, c'est comme 1 sur un million, fait que c'est sûr que c'est toi. Ça se peut que ça soit pas toi, mais comme c'est quoi les odds? Si ouais. c'est pas toi, genre faut qu'on vous mette en contact, vous êtes pareil. <laughs> ouais. On va se partir un système de, de, de match, de match.com version fingerprint. Mm. En fait, c'est sûr que toi, il n'y en aura pas de pareil. Là, ils vont pouvoir identifier Olivier Lambert, 128GB de RAM, 6 moniteurs attachés au device 80 <laughs> du temps. C'est sûr que. Comment est-ce que tu as fait? Pour tu vas être ça? cornered deviner tout ça. Je regarde le setup, je regarde la passion avec laquelle tu parles. Je oh. me dis c'est ce genre de gars. Il y, a, il y a un bon exemple. Il y avait une compagnie québécoise qui a commencé à se spécialiser dans des fingerprint live. Le, leur nom m'échappe. Euh, je me je, je rappelle plus du nom de la compagnie. Mais en gros, eux, qu'est-ce qu'ils ont lancé? C'est qu'ils ont lancé une technologie publicitaire. D'ailleurs, je euh, suis au à vous autres, si vous jamais vous êtes intéressés, on, on, on peut faire des joint ventures si vous écoutez <laughs> le podcast. Mais cette compagnie-là, en gros, ils disaient, on, les gens veulent être de moins en moins ciblés. Donc, ils faisaient de la publicité, pas avec du ciblage, comme mettons du géomarketing mais plutôt basé sur comment tu es en train d'utiliser ton appareil live. Donc, eux, ils regardaient des trucs comme la, vitel, la vitesse de scroll, euh, Est-ce que tu es en mode portrait-paysage? As tu as-tu l'air d'être, quand mettons, tu es couché puis que tu es dans ton lit, ton sel, il est tilté d'une autre manière vers ça si tu es dans le métro ou si tu es dans l'autobus? Il prenait toutes ces miettes-là, tout ce fingerprinting-là. Il faisait une analyse de quelques microsecondes, puis il décidait si tu es dans un mood réceptif. Genre, tu es dans ton bain de bulle, en train de prendre un vin rouge. Tu peut-être plus réceptif que si tu es en train de courir chez Canac, il faut que tu montes le code à la caisse. C'est ça qu'il essayait de détecter. Puis il utilise toute cette analyse-là du fingerprint live pour être capable d'afficher ou non des publicités, pour optimiser le click-through rate, le ciblage et autres. C'est une bonne idée. Euh, je, je me questionne puis on a peut-être qu'ils pourront avoir les réponses de voir à quel point c'est rapide, c'est efficace. Puis c mais c'est un projet je crois universitaire ou du moins il y avait de la recherche et développement qui est en train de se faire. Mais on a des belles martech au Québec, on a des gens qui sont très créatifs c'est une belle avenue. Euh, Au-delà d'identifier l'utilisateur, tu peux identifier en direct son utilisation de l'appareil pour voir ce qui est prêt à recevoir ton message avant de l'afficher. Hmm. C'est quand même fou, pareil. Le, le, le gyroscope, l'orientation ouais. du téléphone. Wow. Moi, honnêtement, la façon que je vois, que j'entrevois un, une solution plus ouverte et plus, plus transparente qui empêche l'abus de ces données-là, je pense vraiment que, à la place de mettre ça sur des places de marché, puis standardiser ça avec un « user ID », à un device ID ou peu importe, je pense, je pense qu'il faudrait faire un blockchain de, de placement publicitaire, hein? enregistrer ton placement sur des nodes, faire en sorte que, es, que ce soit un système qui est transparent, qui est ouvert, que tout le monde y ait accès. Je pense que de monétiser ces données-là, je euh, je pense pas que c'est bon. Je pense que ça devrait être l'utilisateur qui est payé pour les, pour les placements qu'il y a, pour sa contribution au réseau. Parce que en, en, en soi, savoir toi, t'es où, qu'est-ce que tu fais, ça vaut rien. C'est vraiment le réseau en tant que tel qui vaut quelque chose. Le fait que quelqu'un d'autre que Google ait de l'argent de ça, ça me dérange. Parce que je pense que si une personne qui devrait avoir de l'argent, c'est moi, quand quelqu'un achète mes données. Puis Google, parce que ben j'ai acheté un téléphone de Google, puis c'est à cause de d'autres qui ont ces données-là. Mais. Je sais est-ce que vous êtes un peu familier avec, euh, avec le blockchain, comment ça fonctionne? C'est quoi les différentes innovations qui peuvent avoir lieu euh, dans ce domaine-là? Ben oui, on n'est pas des spécialistes blockchain, on n'a pas ce buzzword-là sur notre CV LinkedIn. <laughs> mais euh, <laughs> euh, on a déjà eu des, des, des fermes de mineurs dans la folie du Bitcoin il y a une couple d'années. Ça, ça, ça on a, a commencé. On, on a fait nos devoirs, mais c'est intéressant qu'est-ce que tu apportes comme idée parce que tu l'avais mentionné brièvement au début. Il y a de plus en plus. Il y a une émergence de dire est-ce que si tu acceptes d'être ciblé publicita publicitairement, tu pourrais tout simplement vendre tes données? Est-ce que tu, moi, je pourrais dire, écoute, voici, euh, comme tu as dit, des permissions très granulaires, j'autorise les géo, j'autorise pas les cartes de crédit, j'autorise ça, ça, ça. Tu as comme une, une dizaine de questions. Puis là, ça te donne un prix, ça te dit Garde, aux, aux enchères, ça va à peu près 20 par mois, donc tu vas avoir 20 par mois au bout de à l'annonceur la, à la, à la, à te paye toi pour le ciblage et après ça paye le placement. Il y a peut-être une avenue intéressante là-dedans, puis où les blockchains pourraient être pertinents, c'est qu'en ce moment, on analyse les mécanismes d'enchère. Disons on veut faire une publicité sur Radio-Canada. Tiens, il y a deux manières. Soit qu'on va voir notre représentante locale de Radio-Canada qui va nous vendre ça, on appelle ça over-the-counter. Donc, on va nous inviter au restaurant, on va voir le classique vente de radio puis vente de médias. Ils vont nous vendre ça en personne, on achète un package, Bon, ça, c'est une manière un peu désuète. Si tu es quelqu'un qui n'a pas du charbon pour, pour chauffer sa maison, qui est plus moderne, euh, tu vas plutôt aller dans les enchères RTB. Puis là, dans les enchères RTB, euh, tu vas utiliser un logiciel spécialisé comme notre plateforme ou n'importe quelle autre plateforme pour faire des enchères. Mais les enchères, ça se passe par un protocole ouvert. Donc, c'est-à-dire que euh, Radio-Canada, un serveur qui est via un provider, qui est peut-être Google ou qui risque d'être probablement Google, reçoit les enchères et dit Écoute, Jean, Gabriel vient d'ouvrir Radio-Canada, voici son profil ID. Faites vos enchères, vous avez euh, 5 millisecondes. Avec euh, RealBit.js et d'autres librairies JavaScript qui servent à faire des enchères en temps réel. Les gens vont faire les enchères. Ça se passe tout dans le terrain de jeu de Google. Puis par la suite, euh, une fois que l'enchère a été achetée, il va y afficher. Puis là, le, le provider, nous autres quelqu'un d'autre va donner l'argent à Google. Google donne l'argent à Radio-Canada. Tous ces enchères-là, de les consigner dans un blockchain, de dire, mettons, euh, toi, tu peux aller voir dans la blockchain, de dire Hey, euh, moi en tant que euh, Gabriel, voici toutes les enchères que j'ai générées ce mois-ci. Voici toutes les gens qui étaient intéressés à enchérer sur moi, combien ils ont enchéré, puis lesquels ont gagné. Ça pourrait être intéressant. C'est là que je vois l'avenir, peut-être la force du blockchain. On pourrait avoir un beau euh, euh, un beau ledger public qui dit Gam, mettons, mon profil, euh, c'est tous ces gens-là qui étaient intéressés. Tu peux voir qui n'a pas gagné les enchères. Ça en ce moment, c'est assez compliqué. Il y a des manières d'y arriver. C'est pas M. Madame, Tout-Monde le monde qui peut y arriver. Donc, d'être capable de dire avec un service transparent, je mets mon, je fais juste arriver là, ça détecte mon device ID ou mon de, mon device publicitaire. Ça cherche dans le ledger. Ça dit, voici tous les gens qui voulaient enchaîner sur toi ce mois-ci. Tu vois une liste de 100 advertisers qui sont euh, certifiés dans la blockchain. On a peut-être quelque chose. Puis je pense que. Il faudrait parler des au, termes de partenariat de... pour une plateforme de même. <laughs> Mais je pense qu'au niveau de l'anonymisation des données aussi, ça se fait vraiment mieux si tu es sur un blockchain. Parce que, tu sais, je veux dire, tu peux... Tu as plusieurs... Euh, tu as un type que tu peux faire, dans quoi le client, euh, le client voit un certain set de données, l'acheteur voit un autre set de données. Euh, puis, tu sais, il y a moyen d'avoir de, 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 un ledger public où est-ce que tu vois un certain set de données, puis d'être plus granulaire justement au niveau de qu'est-ce que toi tu veux permettre euh, de montrer, puis de ne pas, parce que là, de ce que j'entends qui est un enjeu, c'est que tu, on se fie un peu au bon vouloir, puis à la bonne éthique des joueurs dans le domaine. Oui, il y a certains... Process de vetting, mais c'est des process qui sont pas, euh, qui sont pas clairs. C'est pas comme une règle qui est. C'est une industrie auto-réglementée. On va dire les vraies affaires. La, la pub numérique au Canada, aux États-Unis, c'est self-regulatory. C'est l'IAB et d'autres en, entreprises comme ça. Exact. C'est du monde qui, qui mange au resto puis qui se font des poignées de main puis qui ont des malades de cash avec des enveloppes brunes. Peut-être peut pas, mais c'est une ben industrie non. qui décide de mettre les bonnes pratiques, de les respecter plus loin que qu ce que le gouvernement fait. Le gouvernement fait un système. sais Dans le sens que ce que je veux dire, c'est que clairement des gens sur les boards euh, de ces des, 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 des diverses organisations qui s'occupent de l'autorégulation, euh, du marketing, puis de faire le, le PR pour euh, justement s'assurer que tout le monde respecte les, les mêmes valeurs, etc. Très clairement qu'il y a des gens de Facebook qui sont sur le board de ces organisations. Ah, – c'est public. On, sur le board, ouais. c'est Google, Facebook. Il y a des très ah. gros joueurs qui sont, qui sont là. Euh, – Vu que c'est une industrie. Il ne faut pas que tu dises c'est public, il faut que tu dises ah, ça a été déclassifié. Ça a été déclassifié maintenant, on sait que. Puis tu sais, c'est les gens, c'est les spécialistes de l'industrie. La raison pourquoi ils sont là, c'est que c'est les spécialistes de l'industrie, c'est eux qui comprennent le mieux les enjeux, qui sont capables de voir c'est quoi les bons guidelines et autres. Mais comme tu as dit, je pense que c'est très, très honnête de dire ça comme ça. Le ciblage, de la pub numérique, en général, c'est beaucoup basé ces temps-ci sur la bonne volonté des compagnies. Nous autres, on essaie d'être le n'est pas parfait dans la vie. on fait le, on fait notre possible. on essaie d'être très très euh, dans la zone blanche jamais dans la zone grise puis encore moins dans, dans, dans le, le black area on essaie tout le temps d'être très white hat dans notre approche est-ce qu'il y a des joueurs qui sont plus grey wall c'est c'est sûr évidemment c'est puis... sûr le black hat a toujours ouais. été là il va toujours être là euh, fun le... fact saviez-vous que 1% des gens épiscopates? Les, les troubles de personnalité ça représente 6, de 4 à 6% de la population et euh, les psychopathes, c'est 1, demi sociopathes, tout aussi, tu sais. Donc, sur une population, de, de on a rendu combien au Québec, le 7 millions 8, 8.8, quoi. Euh, 8. 8. 8. 8. 8. Bon, ça fait genre 8 000 psychopathes, si mes maths rapides sont bonnes. 80 000. Oh! arrête j'ai eu un frisson de peur. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que, tu sais, de se fier au, au bon vouloir des, des gens, c'est une stratégie qui... Euh, je, 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 personnellement, je suis plus dans, dans le cadre. Je ne suis pas un gars qui est super optimiste. Moi, je, honnêtement, j'ai peur de, 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 des mauvaises intentions des autres personnes. Tu sais. um, je suis d'accord avec toi. T'sais, mettons, tu parles, on parlait tantôt du Google Sandbox, euh, qui est un projet que Google a parti en annonçant le fait qu'elle allait bannir les, les third party ou qu'elle allait éliminer les third party cookies. Encore là, je suis d'accord avec toi. T'sais, je vois beaucoup le positivisme. Je suis comme un peu entre les deux. Je vois beaucoup le positivisme de Mathy, mais je comprends tellement ton point. Tu dis, ouais, mais c'est Google qui se retrouve encore avec toutes les données, puis il décide, ayant genre un board d'investisseurs, parce que, tu sais, je fais une petite parenthèse, tu sais, nous autres, on est une startup, on, on, on gère, on, on fait affaire avec des, des, des beaux clients, tout ça, mais on a notre code d'éthique morale, puis on suit une tangente. Mais qu'est-ce qui arrive un jour où est-ce qu'il y a un actionnaire qui vend ses actions, puis qu'il y a des investisseurs qui arrivent? Tu t'en viens public, tu as t des actions et des mises, Et là, tu as la pression de tes investisseurs. Fait que quand Google dit oui, euh, il se fait, fait pression par le gouvernement de dire ouais, les, les third party cookies, là, euh, les, les autres, euh, ça varie, puis Firefox ont éliminé ça. Ça serait le temps que tu le fasses. OK, mais il ne peut pas juste décider de OK, whoop, on enlève ça, parce que la majorité, genre 95% des revenus de Google, c'est tout le réseau de ads qu'il y a. Fait que ça fait peur. Ça fait peur qu'ils se retrouvent avec toutes les données, même si c'est un procédé plus éthique. Euh, ça va tout passer par là, de toute façon. Les corporations, tu sais, souvent, euh, on pense à Google, à, au début, il y avait comme le slogan « Don't be evil ». Ils ont enlevé « Don't be evil <laughs> ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À ce temps-là, c'est quoi? Je pense que c'est « Do good » ou ouais, quelque chose de même. « Do good. Shut up. <laughs> What is good? You're evil. Ouais. » <laughs> Puis une corporation, leur, leur objectif, c'est juste de maximiser les profits et euh, de garder comme une bonne brand. C'est juste ça qu'ils qu font. C'est pour ça que présentement, dans, dans le climat qui est, qui est super polarisé, parce que tu as la culture, Cancel culture, culture qui, qui est super haute. Tu as des groupes d'activistes qui, euh, qui vont doxer des, des, des CEO, qui, qui vont publier les informations personnelles des CEOs, des, des gens qui sont sur les boards. Euh, à cause qu'ils s'engagent dans des, des, des choses politiques avec lesquelles ces groupes d'activistes ne sont pas d'accord, faire des grosses campagnes de scandale, passer de déplateformer quelqu'un. Euh, Puis là, les compagnies, elles autres, ils veulent, ils veulent pas se faire des plateformes, ils veulent pas que, avoir une mauvaise campagne de pire, fait qu'ils vont cave-in à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'outrage. Puis que, euh, comme là, aujourd'hui, sur Twitter, le, 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 le gros scandale, c'est euh, Jordan Peterson, je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec euh, ce personnage. En fait, c'est un psychologue de Ontario, de l'Université d'Ottawa, je pense, euh, qui a à Miguel aussi, euh, qui est en psychologie. Il a fait un livre euh, super populaire. C'est probablement l'intellectuel dans le domaine des sciences molles, la psychologie, qui, est le, qui a la plus grande notoriété à travers le monde présentement. Euh, moins parce qu'il était excessivement malade. Puis, là, il, fait, il est en train de faire son comeback, il lance un nouveau livre. Et là, maintenant, les. Compagnies qui font la, la distribution de livres sont en train de se faire, d'avoir des pressions en interne, des, des employés activistes qui sont en train de dire euh, comme quoi, vous avez pas le droit de faire ça, on, on, va, on va arrêter de travailler, on fera un strike si vous publiez son livre. Un petit peu comme ce qui s'était passé avec Joe Rogan, il y a environ un mois, où ce que, euh, Joe Rogan a fait un podcast avec Alex Jones, les activistes au sein du Spotify se sont mis à crier Oh my god, vous n'avez pas le droit de faire ça, bla bla bla. Et fait d'autres podcasts un petit peu plus controversés avec. Euh, une femme qui parlait euh, des, 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 des jeunes transgenres qui transitionnent en groupe, tout casquier au niveau justement là, du genre, euh, Alex Jones, parce que clairement, politique, c'est des théories du complot, tu sais. Ouais. <laughs> fait Il euh, y a des groupes d'activistes qui vont avoir un poids qui est démesuré, tu sais, comme une espèce de, de la majorité silencieuse avec le point 0,01% des gens qui, qui parlent très, très fort. Bien, les corporations ont tendance à se faire influencer de façon disproportionnée par ce 0.01 %-là qui, qui gueule tout le temps comme des malades. Puis les corporations elles veulent juste garder leur profit, tu sais. c'est facile de voir comment est-ce que les corporations, que la seule chose qu'ils veulent, c'est maximiser les profits pour leurs actionnaires. Et moi, je suis complètement content qu'ils fassent ça parce que sinon, je pas l'action de ces compagnies-là, parce que moi, ce que je veux, c'est des bonnes dividendes, puis je veux qu'ils gagnent mm -hmm. de la valeur dans, leur, dans, le dans le portfolio pour que je puisse faire du gain en capital. Tu sais, je veux dire, c'est pas sorcier, c'est ça que tout le monde qui a de l'argent qui investit veut d'une compagnie. Mais... Ça, ça fait en sorte que ces entreprises-là sont excessivement vulnérables euh, aux différentes pressions politiques, des médias, surtout des médias. Euh, Facebook, Twitter, quand ils ont passé devant le Congrès, c'est sketchy. Euh, Microsoft ont eu la loi antitrust en 2003, 2004, je pense, qu'il a fallu qu'ils donnent un paquet de cash à, à Apple, des gros, gros, gros procès, etc. Fait que les compagnies ont peur et avec raison et ça les fait. Ça fait en sorte qu'ils vont être poussés dans une direction ou une autre, mais faut pas se leurrer. Ces compagnies-là, ils n'ont pas d'âme. Ce pas des êtres humains qui ont une bonne conscience. C'est des entités qui ne sont pas humaines, qui sont composées d'humains, mais la propriété émergente de tous les employés qui travaillent pour cette corporation-là. C'est un une entité qui n'a pas de cœur et qui veut juste du cash. Tu sais, moi, j'adore les PME parce que les PME, il y a encore une arme dans les PME. Il y a encore, il y a du cœur dans les PME. Surtout que tu rentres en bourse, C'est comme une espèce de baptême du feu, ce qui exorcise ton arme. Euh, je fais pas confiance à Google, pas une crise de seconde, c'est ça que je veux dire. Je ne fais pas confiance à Facebook ni à Microsoft, pas une crise de seconde. Parce que peut-être que ça start avec une bonne intention. Euh, à cette heure, je ne te fais pas confiance, mais j'achète tes actions. <laughs> Mais c'est ça, tu as, as vraiment un, un face à la brand qui va, même si le CEO inculte des bonnes valeurs, puis tu on sait que Apple est, est très prisé pour sa position sur la privacy qui ne donnera jamais les données à ses utilisateurs, à moins que les utilisateurs explicitement donne son consentement. Mais euh, c'est sûr qu'il y a une face euh, derrière cette compagnie-là qui fait que quand tu lis euh, beaucoup sur le sujet, te rends compte qu'il y a des choses qui se passent en arrière, puis qu'il y a des employés qui travaillent pour ces corporations-là ces corporations qui font Hey, attends un peu, il y a quelque chose qui se passe en arrière. Puis d'ailleurs, je pense qu'il y avait quelqu'un chez Google qui avait levé euh, un flag. Je travaille fort dans, dans mon cerveau en ce moment pour trouver euh, toute, euh, toute l'histoire, mais il avait levé un flag sur quelque chose qui n'était pas éthique à l'intérieur de la compagnie. Puis euh, ça avait fait les, les manchettes, puis euh, il y avait, enfin euh, il a quitté sa job, puis il a parti. Euh, en gros, je pense que tu ben, en fait c'était dans, dans le documentaire euh, euh, sur Netflix là, social media euh, sur euh, je sais le, je sais quelque part je vais retrouver le nom exact pour que c'était ouais, vrai, dans ce documentaire là le gars il avait euh, il se rendait compte le nombre de données qui étaient recueillies à des fins non éthiques à l'intérieur de Google puis il avait décidé de quitter la compagnie il a parti euh, comme un mouvement là, contre contre ça de son côté c'est euh, de social euh, d'élément euh, la personne que tu parles est souvent référée comme étant la conscience de Silicon Valley. Il fait que je donner le nom de la personne en, en cherchant ça. Euh, mm -hmm. Mais je suis curieux de savoir est-ce que vous avez écouté ce documentaire-là Je pense qu'on pourrait clore le, le podcast justement sur une petite conversation en lien avec, euh, avec oui, ce oui. documentaire Netflix si vous l'avez écouté. Toi, tu le Malheureusement, non. Euh, on a travaillé. Euh, dans les deux derniers mois sur le self-service comme des malades. Fait les, <laughs> les peu de Netflix qui me restaient, c'était The Office en boucle pendant qu'on, l'équipe de développeurs et moi travaillons sur le self-service. Mais je pense que Gabriel l'a écouté. Moi je l'ai écouté. Euh, moi, j'ai aucun skills en programmation. Fait que j'ai pu me libérer de, 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 de <laughs> toute cette. Mais cette semaine, c'est Black Friday. Fait que c'est à mon tour de me faire slapper dans la face. Euh, par, euh, par ça, fait que mais oui, je l'ai écouté. Fait que, je pense que c'est un, un bon sujet qui rentre en compte avec euh, le géo et tout euh, ce qu'on parle. Fait que, mais bah, euh, euh, la, pe la personne qui te parlait tantôt se nomme Tristan Harris. Euh, puis dans le fond, il avait fait un, une présentation PowerPoint en, chez Google qui avait été virale au sein de l'entreprise justement qui parlait. Euh, des différentes valeurs, puis la privacy, puis il faut qu'on fasse quelque chose. Puis là, il s'est rendu compte que, OK, c'est venu viral au sein de son entreprise, mais personne n'a rien fait pour être capable d'adresser ces challenges-là. C'est là, là qu'il a décidé de partir de Google puis de là, se lancer dans un projet pour être capable d'influencer de, 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 euh, Silicon Valley à adopter des bonnes pratiques éthiques au niveau de, euh, de la vie privée des gens. Sauf que, bon, qu dit, euh, qui qu'on dit, qui va décider de baisser sa marge de profit à cause de, genre, à cause de ça Personne. À moins que tu n'aies pas le choix, parce que sinon tu vas te faire taper ses doigts, tu ne le feras pas. Tu sais, quand tu es une corporation, parce que tu n'as pas de cœur. À moins que tu sois Elon Musk. Ça, so, c'est comme un cas à part qu'il s'en. Excuse-moi, il s'en excuse calme ici. Elon Musk, il veut du cash, man. Elon Musk, je ne fais pas confiance à Elon Musk. Elon Musk, je vais aller dans son rocket. Je ne vais pas faire confiance à Elon Musk. Je vais <laughs> acheter des sacs de Tesla. Je vais m'acheter une Tesla. <laughs> mais, mais, ce gars-là, tu le sais qu'il y a quelque chose, genre, quand il te parle, pas pour il pour pas rien qu'il bégaye puis qu'il a de la misère à parler, c'est parce qu'il est en train de comploté dans sa tête, il est constamment en train de faire des, des conspirations. Il a même pas besoin d'être plusieurs pour conspirer. Il est tout seul, puis il conspire. <laughs> okay, ça, c'est Elon Musk. Euh, ouais. Mais au niveau du documentaire, il y a probablement beaucoup de gens qui l'ont écouté à cause que c'est devenu un peu viral. Mm. Euh, au mois de septembre, tout le monde se sont mis à écouter ça. On a eu un, un sujet sur la tranchée qui a quand même qui a, qui a eu beaucoup de controverses. Il y a beaucoup de gens qui ont discuté de ça, puis ils étaient comme « Oh my God, j'avais pas vu ça comme ça mm. ».« euh, The Social Dilemma », moi, personnellement, mon impression de tout ça, ça a été un documentaire excessivement hypocrite. À cause que l'idée c'était Facebook vendre ton attention. C'est une économie d'attention. C'est vrai que c'est une économie d'attention. Puis le compétiteur de Facebook, c'est pas Twitter. Le compétiteur de Facebook, c'est YouTube. Parce que si tu regardes sur ton téléphone, ça a été quoi les applications sur lesquelles tu as passé le plus de temps, qui est une fonctionnalité qui est absolument fantastique. Good things, bonne chose qui a mis ça sur ton téléphone. Disponible sur iOS, disponible sur Android. Bref, tu vas te rendre compte que, ok, bien, personnellement, surtout pour les garçons, les femmes passent moins de temps sur YouTube que les hommes de façon générale. Mais. Moi, mon numéro un, c'est YouTube. J'écoute beaucoup plus de contenu sur YouTube. Mm. Ensuite de ça, ben, peut-être que je vais écouter une, une télésérie sur Netflix. C'est pas long, ça te prend une heure, une heure et demie par jour. Fait que, et si tu te bats contre, euh, contre du contenu multimédia pour être capable d'aller chercher l'attention des gens, puis hein, Google, via YouTube, vend de la publicité, ça c'est une chose. Netflix, via leur contenu, vend de la publicité, vous ne le savez pas, mais à peu près 80-90 du contenu généré par, YouTube, par Netflix est sponsorisé par du placement de produits. Fait quand tu écoutes une télésérie, tu écoutes une pub. Tu sais pas ça, t'écoutes euh, euh, CW, mm. là, les petits shows là, de, de Super héros là, de Arrow, Supergirl, tu sais. Mm. Les premières saisons étaient bonnes. Première saison de Arrow et Flash était cool. T'sais, moi, je suis un gars de Super héros j'aime ça, ces affaires-là. Mais à t'avais des surfaces partout. Ouais. Tu sais, les petites tablettes micro Windows, là oh. il y en avait à grandeur. Ouais. Les, les véhicules, les VUS. Les euh, VUS, les chars, mm. qui partent. Puis c'est correct, parce que dans le fond, c'est tough de faire un service de streaming à ce prix-là qui va, qu va être capable d'être rentable lorsque les coûts de production sont si élevés. C'est complètement normal qu'ils payent une partie de leur prod avec du placement publicitaire. Mais il ne faut pas se pleurer sur ce que c'est. C'est du placement publicitaire, puis ils vendent ton attention. Bon, avec Netflix, ils ont payé pour faire un documentaire où ce qui décrit la vente de l'attention et jamais c'est mentionné. Dans le documentaire, que ben, peut-être qu les autres aussi, tu sais, ils vendent l'attention des gens. Et non seulement ça, mais l'argument qui explique pourquoi est-ce que c'est pas bon de vendre l'attention des gens, ils ont parlé de la division politique, qui est un des enjeux, mais l'autre des enjeux, c'est la faible estime personnelle des jeunes femmes. Ça, c'était un gros enjeu dans le documentaire, à cause qu'ils montraient le taux de suicide chez les jeunes filles, à cause de leur modèle de la réalité du corps de la femme qui est irréaliste, etc., etc., etc. etc. Parallèlement, Netflix publie le, ouais. le, le film Cuties. Une jeune femme de, quoi, 13? Plus jeune? Je sais, je sais. Une pas petite quoi. fille qui se découvre une passion envers le twerking. <laughs> Et qui part une troupe de twerking. <laughs> Tout est en train de parler de l'hypersexualisation des jeunes femmes par Instagram. Fuck you! Fuck you! C'est quoi ça? T'as le droit de faire un documentaire? Sois honnête dans ton documentaire. What the fuck? Pfft. Not cool, Netflix. J'ai failli me désabonner. Puis pas juste ça. Netflix. Toutes vos shows. Tous les shows de Netflix. Une fois que je vais vous le dire, vous n'allez vous allez pas pouvoir vous empêcher de le remarquer. Toutes leurs shows. Tu sais, le SGW, euh, les Social Justice Warriors. C'est pas normal d'avoir la moitié du cast qui est gay. Tu peux avoir 10%, c'est représentatif, ok. Tu peux avoir euh, un personnage noir, un personnage asiatique, un trois quatre personnages blancs, c'est normal. T as assez d'avoir 50-50%. Homme-femme, je peux comprendre. Mais quand le seul bonhomme qui est méchant, c'est un, un bonhomme blanc. On va prendre un exemple concret. Carbone modifié. Est-ce que vous avez écouté ça? Fucking bon. La première saison, tu as vu les deux okay. saisons? Deuxième saison, ça fait canceler, C'est pas pour rien. La troisième saison, ça fait canceler après la deuxième. pas pour rien. Parce que là, tu as un badass qui est un asiatique, vraiment, mais dans le peau d'un blanc. Fait que Juste ce, quand c'est sorti, je trouvais ça un petit peu euh, anachronique parce que maintenant, tu plus le droit d'avoir un personnage principal que c'est un homme blanc. Mais c'est pas grave. Je trouvais ça cool. comme ouais, cool, tu comme Je vais l'écouter. Nice, ça fait changement. Puis le show fait fureur. Tout le monde tripe dessus. Renouvelé pour une deuxième saison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que, dans le fond, le personnage principal, qui est un Asiatique, dans la peau d'un Blanc, enlève sa peau de Blanc, parce que la façon que ça fonctionne, c'est qu'on est capable de transférer la conscience d'un être humain à l'autre. Anyway, long story short. Ils le mettent dans un gars noir. J'ai pas de problème avec ça. Mais le seule personne qui est Blanc, il y a deux personnes qui sont Blancs, tu l'intelligence artificielle du personnage principal, qui se transforme en wuss, en genre en épave de tom um, qui se laisse né à gauche et à droite. Dans la première saison, il était badass Poe. Po était badass. J'aimais Poe. Là, il est devenu genre tout pété, scrap, tout le temps en train de broyer. Après ça, l'autre personnage de Sidekick, c'est une fille. Euh, je pense une, euh, Je pense qu'elle est noire. Et lesbienne. Parce que maintenant, c'est important, le, 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 le transsectionnalisme, le. Tu le, sais, c'est comme ça que ça s'appelle? Dans le fond, tu stacks tu stack les degrés de, ouais. sur lesquels tu t'es fait fuck over quand t'es né. C'est genre, c'est plus assez d'être noir. Où tu es noir, où tu es une femme, où tu es lesbienne. mais bientôt, ça va être transgenre aussi. Ouais. Comme le nouveau euh, model de Calvin Klein. Regardez ça. Calvin Klein, transgender model. Ouais. Je veux dire, j'ai rien contre montrer des, 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 des personnes positives à la TV, là, des, des modèles sur lesquels les jeunes vont pouvoir s'inspirer pour grandir. Mais comme, faut pas que ce soit l'objectif de ta série télé. Sinon, moi, ce que je veux, c'est une bonne histoire. Fais juste me montrer une bonne histoire. Ah! Ouais, c'est sûr, c'est l'overcompensation, mais. Euh, je ne suis plus tu... capable. Netflix, là, I'm sorry, je suis plus capable. Ouais. Non, c'est sûr qu'ils il compense tellement d'un côté, pis t'sais, on le voit, puis j'ai en même temps rien contre ça, mais t'sais, en même temps, c'était un producteur d'un show télé, puis c'est ça qui pogne en ce moment. Ça, ça. pogne pas. Ben, ils ont cancellé le show pour une <laughs> raison. La deuxième <laughs> saison, t'es mauvaise. Ouais. Ben, c'est sûr que si le story n'adopte pas, puis que tu peux pas t'identifier, Le livre est un fantastique. Character. Ils ont scrapé l'histoire. Ils ont tout scrapé. C'est ça. Uh, anyway on a pas parlé de ça. Mais il fallait que j'en parle. À cause de Netflix. On a parlé de Netflix. Ouais. Si yeah. tu me parles de Netflix, faut que je pète une coche. Il faut, il faut que ça sorte. <laughs> faut que ça sorte. puis je veux dire, c'est pas, pas le genre de choses que, tu sais, comme ma soeur, Mélodie. Elle, elle remarque pas ça. Elle s'en fout, tu sais. Pis là, l'autre jour, on était en train de souper pour sa fête. Puis elle m'a dit. Ouais, d'habitude, ça me dérange pas, mais Chris, c'est vrai que ça. Ma soeur sacre pas. Elle a pas dit Chris. Je m'excuse, Mélodie. Elle va écouter ça, elle va, elle va éditer tout ça, elle va être comme, « Ah oui, j'ai jamais dit ça. »« Arrête de mettre <laughs> des mots dans la Je me rappelle pas c'était quoi la télésérie euh, qu'elle avait écoutée. Je pense qu'on parlait de Carbon Modifié aussi. Elle était comme, « moi. moi, moi d'habitude, ça ne me dérange pas ce genre de choses-là, tu sais, de, de social vir virtue, de social signaling, de genre, « Hey, on est une bonne personne, on a un casque qui est est vert, qui est varié. Euh, » Mais ouais, j'étais fâché qu'elle aient décidé de faire ça parce que c'est fâchant du point de vue consommateur. Parce que tu veux avoir un bon produit, puis la compagnie, elle se retourne de bord, puis elle, 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 elle utilise une opportunité d'avoir un show qui a eu une bonne, une bonne popularité sur la première saison pour montrer à la mob fâchée à gauche Hey, on est une bonne compagnie, regarde les documentaires qu'on produit. Alors, regarde les, pas les documentaires, mais regarde qu'est-ce qu'on produit comme contenu, tu sais. Fait que c'est ça, j'étais fâché. Ouais. Non mais je comprends. Quand t'es plus capable de t'identifier, ben pas une sorte de t'identifier toi-même, mais d'avoir euh, des points que de t'aimes sur un caractère. C'est sûr que, que le caractère va changer. C'est sûr que ça change. Puis je fais un parallèle fucking intéressant que je sais qu'on on est peut-être censé terminer bientôt, mais que, qui est vraiment intéressant en marketing. Puis tu vas voir ce que je m'en vais C'est que ta brand, c'est un caractère. C'est un caractère de euh, comics. Voilà. Ta brand, c'est puis ça c'est c'est Batman. Exact. <laughs> puis c'est super intéressant parce que on parle de brand, on parle d'éthique, on parle de tout ça, mais ta brand, tu dois vraiment la positionner comme un character donc elle a un superpower. Elle a sa kryptonite comme Superman. Puis elle a ses non-negotiables. Puis en même temps, de l'autre côté, c'est comme un un, un lozenge. De l'autre côté, elle a euh, ses fights. Puis, je pense que quand tu crées une brand, c'est super intéressant pour les PME. C'est un concept, c'est pas, pas moi qui ai inventé ça. Euh, je suis pas assez intelligent pour ça. Mais je te, je te linkerais à ça. C'est un concept qui a été développé par des grands marketeurs. Puis, euh, ils ont dit que quand tu écoutes finalement un film, une story, whatever, ben en fait, une série, tu as toujours une storyline à travers des caractères que tu identifies. Et quand tu écoutes la série Friends, tu as toujours le, le comic Chandler, tu as toujours l'idiot Joey. Tu as, as, as toujours des, des points de caractère qui font leur force, leur faiblesse. Euh, ils flancheront pas là-dessus, mais euh, il ont, ont une petite faiblesse là-dessus. Puis quand tu développes une brand, je pense que c'est vraiment important de trouver ton caractère, puis sur quoi tu flancheras pas, comme nous, on flanchera jamais sur le fait d'être transparent, puis de démocratiser le Géo. puis euh, de ne de, de pas faire d'aide politique, puis euh, même sur, euh, sur les jeux d'hasard puis tout ça. Puis en même temps, on a peut-être nos flots. On est un astide underdog par rapport à ces grosses compagnies-là qui placent des millions d'heures de budget, qui ont à peu près 200 devs en arrière, mais qui ne sont pas capables de coder euh, une plateforme assez simple pour reproduire ce que euh, notre équipe de devs de quelques personnes incapables de faire. Fait que. Mais je pense que c'est super important pour les PME de pouvoir se positionner early et d'être capable de s'identifier, d'identifier leur brand à un caractère que les gens, quand ils consultent le contenu, les ads, le, tout ça, sont capables de s'identifier. Comme toi, quand t écris, t es pas, es comme une, es, tu t'es pas. Tu ne vois pas le monde, tu tutoies, tu as une expression, tu vas sacrer dans tes courriels. Je vais le faire dire quand je fais ça. Ouais. <laughs> mais je trouve que sacré dans ses courriels, tu sais, c'est un point que Gary Vee amène beaucoup et que je trouve qui est intéressant, c'est parce que tu es true à toi-même. Puis oui, je sais que c'est pas tout le monde, puis sûrement tu te fais écrire euh, par des... par de, euh, de, de... qui habite sur la Côte-Nord, mais tu, que, que c'est pas bien de sacrer, puis c'est correct, je sais que c'est pas bien, mais je pense que c'est... t'es true à toi-même, tu t'exprimes comme tu veux t'exprimer, puis les gens te suivent à cause de ça parce qu'ils peuvent s'identifier, puis ils disent... Le en bas, c'est ta brand, c'est toi, c'est ça, puis t'es pas fake. Je pense que c'est important pour les PME de genre, pouvoir, si, pouvoir créer justement un, un personnage à travers leur brand, puis pouvoir se prendre des positions, puis assumer leur flot, puis euh, assumer, euh, aff, assumer ce qu'ils sont, finalement, les non-negotiables et tout. Justement, pendant que tu parles de, des archétypes qu'on qu va retrouver dans les entreprises au niveau de la personnalité, au niveau du storytelling, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le livre Expert Secret par euh, Russell Bronson ou son autre livre, un des deux. Les euh, trois livres, je pense. ouais c'est ça. Fait qu'il explique quand même très, très bien juste les différents arcs narratifs qu'on peut, qu'on peut retrouver euh, pour être capable de faire ta, ta, ta brand. puis C'est comme que ce que toi tu parlais tantôt au niveau de Apple, qui ont pris une stance vraiment hard, même ben, plus hard que celle des autres au niveau de la privacy. Je me rappelle euh, c'était quoi ça 2014, 2015, euh, il y a eu un, un incident à San Bernardino. Il y avait un gars qui avait un iPhone. Ouais. Euh, il fallait que la FBI engage un hacker pour genre, genre 3 millions. Ça a pris deux ans avant d'être capable de débloquer le téléphone. Parce ouais. qu'Apple ne voulait pas décrypter le contenu du téléphone euh, pour la FBI. Mm -hmm. Puis, tu sais, de ne pas vouloir. Euh, de refuser la coopération avec le gouvernement américain, c'est quand, quand même gros. Là. Euh, ça leur a probablement apporté beaucoup de troubles, mais le trouble qu'ils ont eu, ça le, je pense que c'est quelque chose qui paye parce que maintenant, moi personnellement, quand je suis en train de regarder l'offre de, des téléphones qui existent, je considère de plus en plus un iPhone, même si typiquement je suis un gars de Pixel, euh, les téléphones de Google, mm -hmm. euh, juste le, la stance plus rough sur la, la privacy au niveau d'Apple, de, de je pense que c'est sur tous leurs devices, autant au niveau de leur, euh, leur Mac que Google. Ceci étant dit, je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine passée, il y a eu un, un shortage des serveurs d'Apple de euh, qui a exposé un enjeu assez important sur leur téléphone. Ils, ils sont venus par la suite pour essayer de clarifier et de, 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 de rendre ça plus acceptable. Mais dans le fond, à chaque fois que tu ouvres une app, ça ping le serveur d'Apple quand tu es sur un réseau. Fait que Apple, c'est et quand t'as ouvert l'ensemble des apps sur ton téléphone? Plus, tu es au niveau de OK, mais pourquoi est-ce qu'ils logent tout ça? Tu sais, qu'il y, qu y a eu un débat un, peu, un petit peu, euh, il y a deux semaines par rapport à ça. Je sais pas comment est-ce que ça s'est euh, dénoué, mais c'est comme ça, juste le fait que je vois une nouvelle en lien avec ça, ça va être comme OK, finalement, peut-être que je vais pas m'acheter d'Apple parce que peut-être qu'ils sont mmh. full of shit comme les autres. Ouais, ben, c'est un enjeu avec le FBI. Je reviens à ça, qui était beaucoup plus grand que juste. Eux autres, ils vont se donner tous les millions, toutes les troubles possibles pour ne pas euh, négocier leur non-negotiable. C'est ça. C'est la privacy des gens. C'est super important. La, transpa bon, la transparence, peut-être un petit peu moins. Mais c'est ça. Apple est très euh, cool, cool kid. Nos produits sont cool. Euh, on ne sacrifie pas les données de nos utilisateurs sous aucun prix. Mais par exemple, notre flot, c'est qu'on n'est pas aussi personnalisable qu'Android. Nos téléphones sont peut-être un petit peu moins performants qu'Android, peut-être moins les customize, Notre environnement est fermé, mais c'est le prix à payer pour être sur la performance approche. Hmm. Dernière question, guys. Ça fait quand même un certain temps qu'on qu jase. Dernière question. Est-ce que tu es C'est quoi ton téléphone? C'est quoi ton ordi? T'es-tu sur Apple, Windows? Ouais. Je suis sur Apple. C'est quoi que t'es? All the way. J'ai un iPhone X. iPhone X, okay. 10. quand ouais. même en retard, le gars. Toi? Moi j'ai un Palm prix. Oh! <laughs> non, euh, ouais, euh, Malheureusement, depuis que Un HP, Nokia Windows? <laughs> non, non, non. Je suis rendu sur euh, un iPhone. Un iPhone ordi Mac euh, pour développer. Puis euh, ton iPhone est-il plus récent ou moins récent que euh, Gabriel? Ouh, je ne sais ben pas où? le modèle. Je pense que c'est un. Ah, oh, c'est un, un 11 Pro. Que, je 11 Pro, c'est la mémoire. C'est ah, genre. <laughs> j'ai été. Uh, fun fact, j'ai développé uh, comme une formation sur le géomarketing qu'on va réussir bientôt. Puis. Euh, j'essaie de compter l'histoire un peu de Géo. Fait que là, j'essaie de trouver une photo de Matt. Puis euh, cet homme est invisible. Euh, donc, euh, j'ai été genre sur son Facebook. Puis là, j'ai comme d'écouter une photo qu'il avait à l'Octoberfest. Puis là, j'ai vu son feed. Ça ne va pas pis... être une bonne photo. Quand oh là là! C'est ça, je dis, il va me marier pour mettre ça sur sa formation. Mais dans le fond, j'ai vu son feed Facebook. Je pense que c'est comme sa sœur est commenté. Elle dit « Je peux pas croire que Mathieu Lares est passé du côté obscur vers Apple. Finalement, je ne peux pas croire qu'il a flanché. » Fait que, mais c'est ça. Tu sais, Apple, je pense que c'est juste, je pense que c'est toi qui nous disais ça. Pour coder, c'est le way to go, C'est juste, c est, c est juste tellement je vois, mieux, objection, parce c'est Ah, tu, tu peux objecter comme tu veux euh, contre lui. En, euh, anciennement, j'étais sur Android et euh, Kali Linux, mais j'étais tenu de rebuilder le, le kernel là, toutes les deux semaines, là, Fait que... Je, je, je suis allé pour la simplicité d'intégration avec les autres développeurs dans l'équipe. J'ai acheté la paix en ah, euh, gardant ouais. un environnement Unix, mais en, en allant avec un Mac. Mais deep down, je suis encore euh, Arch Linux. C'est correct, ça. Ça, je respecte ça. Quelqu'un qui quelqu'un Le monde qui est en Linux, là, dropez nous quelque chose dans les commentaires parce que ça, c'est <laughs> du vrai vraiment... monde. Vous n'êtes pas traqué sur Linux. Il n'y a pas euh, Apple ou Google qui vend tes données. Les seuls qui achètent tes données, c'est ceux qui ont acquis ton ordi parce que tu n'as pas bien buildé le <laughs> kernel. <laughs> Mais euh, ça peut passer justement, c'est quoi? C'est dans l'épisode de Joe Rogan avec euh, le gars là, qui a les qu données qui a fait un, un film. Euh, le, le gars de la NSA? Ouais. Comment il s'appelle, non? E. Snowden. Ouais, Snowden. Dans l'épisode qu'il y a avec euh, Snowden, justement, Snowden, il dit c'est quoi l'ordi qu'il prend C'est une espèce d'ordi obscur avec une, ouais. une switch physique pour le Bluetooth puis le Wi-Fi avec un build spécifique de Linux. T'sais. Puis le monde qui sont sur, euh, qui sont sur Linux, il euh, y, un, un, y a une version de Linux dans le temps, quand j'étais à l'école, ça s'appelait Backtrack. Maintenant, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça change changé de nom. C'est un Linux qui est fait pour la pénétration. On aime ça, nous autres, les gars, quand on parle de pénétration et d'ordinateurs c'est comme deux choses qui nous intéressent je pense c'est c'est kali linux qui s'appelle ouais c'est ça exactement fait que ça ça venait euh, avec une suite d'outils pour sniffer justement le trafic que tu avais sur ton wi-fi euh, regarder les appareils bluetooth essayer de rentrer dans les téléphones des gens back in the day c'était vraiment plus facile que maintenant là. Euh, mais les vieux téléphones il y avait plein de flaws au niveau de la sécurité <laughs> <Les pom -bré>. <rire> <rire> fait, que, euh, fait que si vous êtes si vous utilisez kali linux le, <laughs> Gros shout out, guys. Vous êtes des hardcore. Puis au niveau de l'édition vidéo, by the way, les gens qui éditent avec euh, DaVinci Resolve, ça a été monté à la base en Linux. C'est beaucoup plus stable sur Linux. Puis beaucoup plus performant lorsqu'on veut se monter des, des vrais ordinateurs de montage hardcore pour faire de l'encodage vidéo, ce genre de choses-là. Des serveurs d'encodage, c'est tout en Linux. Euh, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais. mais c'est vraiment underrated. Puis, il y a plein de distros. Des distros, c'est des distributions Linux qui sont super friendly. Autant pour les gens qui, euh, qui passent de, 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 de Windows ou de Mac pour découvrir un nouvel environnement. Euh, c'était pas du fait que c'est quand même assez difficile de gamer sur Linux. Je, personnellement, je sur Linux. On parle de Zorin OS qui est super sexy. Euh, Elementary OS, c'est qui est quand même bien. Euh, effectivement. Une copie euh, copie collée de Mac OS. Eh, il y en a qui sont juste... Moi, ce que j'aime beaucoup de un OS, c'est que tu peux choisir. Est-ce que tu veux une copie de Mac ou une copie de Windows? Windows. <laughs> il te l'adapter, tu sais. Mais sur Windows, euh, fun fact, pour ceux qui aiment un peu la personnalisation que tu vas aller chercher dans un OS comme sur Linux, mais que tu veux aller donner un look cool à ton... Mais rester dans l'écosystème de Windows, il y a un truc qui s'appelle... Ah, j'ai oublié. Je, je l'avais. J'ai parti mon intro. Je l'ai oublié. Oh, my god T'as Un peu. Donne-moi 4 secondes. Je l'ai oublié. Fait, dans le fond, c'est un truc qui te permet d'avoir des. Euh, euh, tu peux racheter des, 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 des equalizers dans le fond de ton, de ton, euh, de ton desktop. Tu peux racheter des desktops en 3D. Tu peux refaire complètement l'interface de Windows. Ça te donne une personnalisation vraiment cool. Euh, je vais essayer de retrouver de le me mettre dans les notes de podcast. Je viens d'installer sur mon laptop. Fait, fait, vous, Rainmeter. Rainmaker? Rainmeter. Rainmeter Pro. Rain, c'est Rainmeter. Google Rainmeter Reddit. Vous allez voir plein d'environnements de, euh, Windows qui sont funky as fuck. Si t'aimes les beaux, les belles interfaces, vous allez être gâté. Plus ça s'intègre avec ton wallpaper. T'es capable de faire des beaux designs. Puis là, il y a du monde sur DeviantArt qui passent des heures à personnaliser leur environnement de travail pour faire ça le plus beau possible. Les graphistes sont fort là-dessus. Mm. Genre, anyway. Fait que ça fait le tour du podcast. Merci beaucoup, guys, pour uh, votre participation. Merci, dans... euh, merci l'invitation et de votre écoute. Ben. Mon écoute, puis celle des gens. Oui, celle à la maison, oui. C'est ça, je l'ai comme, oh, oh euh, j'avais oublié, justement. Je suis précieuse. vous. ma <laughs> oh, t'écoute à la maison. Euh, donc, pour récapituler, euh, propulso.io. Propulso oui. Et ensuite de ça, euh, c'est ça, grosso modo, Honnêtement, de ce que j'ai compris, euh, ça vaut la peine à tout le monde d'aller regarder un petit peu c'est quoi leur plateforme, surtout si vous avez des, des, euh, des restaurants, des boutiques, euh, des boutiques en ligne. Si vous voulez regarder un peu le qui, qui s'en va chez Canal Tire, qui, qui s'en va chez Walmart, ça pourrait être des choses qui sont intéressantes. Moi, ça m'a stimulé ma créativité. J'espère que ça a stimulé la créativité des gens qui sont à la maison. Euh, merci de vous être déplacé. Une gang de Sherbrooke, il fait vraiment pas beau. Aujourd'hui, juste pour vous donner un cue, moi j'ai vu trois personnes dans le champ, vous n'avez vu un. Donc, ça a été un podcast qui a été périlleux à enregistrer je um, euh, pense que ça a valu la peine qu'on risque notre vie pour ça. Absolument. Avec des données déclassifiées, lois les... politiques impliquées. Exact. Est-ce que t'as aimé le scotch? T'en as vraiment pas bu, hein? Ah, oh, je vais le faire avant de partir, c'est bon. <rire> <rire> OK, guys. Merci beaucoup. On se revoit euh, peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Mon horaire de podcast est un peu fuzzy en ce moment, mais on se revoit dans le prochain épisode de Scotch et Domination mondiale.